générons la peur. Plus de peur. Ça ne marche pas. La peur ne fonctionne plus tant qu'ils ont de l'espoir. Et Katniss Everdeen leur donne justement de l'espoir. Et les fiancés, faites-en toute une affaire. Quelle robe a-t-elle décidé de porter? Des flagellations. Quel gâteau va-t-elle choisir? Des exécutions. Qui seront ses invités? La peur. Balancez-la à la une de tous les médias. Montrez-leur que les fiancés sont de notre côté. Ils vont tellement la détester qu'ils la tueront pour vous. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Il n'y a pas de gens bien qui gagnent les jeux. Mais personne ne gagne les jeux, un point c'est tout. Burn echoes of hope, side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. C'est pas ça, je tuerai s'il le faut. Je ferai comme tout le monde, c'est évident, mais je veux juste pouvoir leur montrer d'une façon ou d'une autre que je ne leur appartiens pas. Et si je dois mourir, je veux rester celui que je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Vous la connaissez tous, la fille du feu. Mais nous la connaissons aussi sous le nom de Katniss Everdeen. Que les Hunger Games commencent. Puisse le sort vous être favorable. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Salut à tous, bienvenue dans la 15e émission de l'Antre des Maraudeurs. Et pour cette 15e émission, donc nous allons attaquer Hunger Games. On décide de faire un aparté dans les univers fantastiques que nous pouvons avoir d'habitude, donc Star Wars, et Seigneur des Anneaux, Terre du Milieu ou Harry Potter. Et nous partons donc dans Hunger Games et tout droit du District 10. District 1. Ce sera donc Théo qui présentera ce district aujourd'hui. Salut Théo. Salut Flo. Et tout droit venu du District 5, c'est donc Bertrand. Salut tout le monde. Et moi-même, je viens du district 2. Très bien, je suis un carrière. Et bien voilà, donc nous attaquons Hunger Games aujourd'hui. Donc Hunger Games, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est une histoire écrite d'abord par Suzanne Collins. Donc dans un monde futuriste, 12 districts se démènent afin de nourrir et permettre de faire vivre le Capitole. Tout Panem se plie à ses exigences et quitte à vivre dans la misère la plus totale, au contraire du Capitole. Et bien du coup, les districts vont devoir... avoir une charge lourde afin de pouvoir permettre à tout ce monde de vivre. Afin de ne pas commettre les erreurs du passé, chaque année, 12 tribus mâles et femelles participent aux Hunger Games diffusés dans tout Panem. Donc c'est un jeu, donc un Hunger Game qui a pour but de s'entretuer afin de permettre à un seul survivant de vivre et de rappeler les atrocités que peut avoir la guerre et pourquoi Panem tout entier doit être solidaire. C'est de l'expiation, non? Non, ça c'est alors déjà on ne coupe pas pendant la présentation. Ah bon, d'accord. Premièrement, non, mais on viendra dessus, mais pour l'instant on est juste sur le Hunger Game. Katniss Everdeen du District 12 participera au Hunger Games elle-même. Elle les gagnera la première année avec son tribu mâle de son District 12 Pita, puis y retournera un an plus tard lors de l'expiation avec 23 des anciens vainqueurs des districts. Elle en sortira vivante et ira vivre dans le District 13 qui est le district du nucléaire. Et du coup elle commencera et entamera une guerre et une révolte contre le Capitole. Et la révolution devra faire face à son ennemi, qui est le président Snow. Voilà, je vous ai résumé 4 films en 7 phrases. C'est parfait. Et donc du coup, messieurs, votre top et flop immédiatement sur ces Hunger Games. Théo, à toi. Mon top, ce sera Pita Mellark. Pita Mellark parce que... Théo qui aime les gentils. Oui, j'aime les gentils. Et c'est donc un couple avec Katniss qui se font contrôler donc par le Capitole, mais de manière différente. Katniss va être contrôlée, mais va se rebeller
avec tous les districts pour renverser le Capitole. Mais Pita, lui, va être contrôlé, mais de manière positive par le Capitole, du fait qu'il va essayer de contrôler tout ça et de faire tourner, enfin de faire en sorte que en fait la rébellion c'est le côté mauvais et que faut que Katniss le rejoigne et qu'elle rejoigne le Capitole. Et de ça, bah, ne serait-ce que pour son jeu d'acteur, Pita, j'aime bien de la manière dont il était abordé dans les films et moi je le mets en top. Ok. Oui, moi après Pita, si je devais relever des choses sur lui, ça va être plus être son côté bon, son côté gentil pour le coup, où il va vraiment seconder Katniss et sans. Ouais, sans... C'est son rock un peu. Enfin, oui, voilà. Sans lui, Katniss a vraiment des grosses difficultés à vivre et c'est pour ça moi je le mettrais en avant. Ouais, moi aussi j'adore Pita, hein, je te rejoins. C'est vrai que bah pour moi je trouve que c'est vraiment son rock, surtout dans le 1 et même un peu dans le 2, mais vraiment dans le 1 déjà, où quand elle commence à faiblir, bah c'est lui qui est là. Ouais, ils font un super duo et Pita, bah on ne peut que l'apprécier. Alors après dans le 3 ça devient plus complexe, mais le personnage se complexifie aussi et on sait pas trop ce qui se passe, etc. Et oui, c'est clair, il est important, ouais. Bien toi Bertrand, ton top à toi s'il te plaît. Alors moi mon top c'est César Flickerman, donc le présentateur qui présente les Hunger Games à la télé. Alors pour plusieurs raisons, déjà je trouve que c'est un super acteur, je trouve qu'il joue le présentateur télé, tu sais le télécrochet un peu à la con mais parfaitement, et il a vraiment la tête de l'emploi. Et en fait au-delà de ça je trouve qu'en fait il représente à lui tout seul le Capitole, c'est-à-dire la manière et l'enthousiasme dont il présente ses Hunger Games, ses jeux, je trouve qu'il cristallise un petit peu le Capitole et la manière dont il croit à fond dans ce système-là, quoi, dans le système du Capitole qui est apprivoisé par les districts de ces Hunger Games, et je trouve que voilà, lui tout seul il représente un peu ça et j'adore ça, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors de là le mettre en top, non, pas du tout, parce que je trouve qu'il a un rôle dans tout cet univers ou de ce monde. Je trouve que c'est un présentateur télé et il fait son job et voilà. Ouais, moi je trouve qu'il fait plus que son job dans le sens où alors oui, il fait son job, mais à travers lui, en fait, tu vois le citoyen moyen du Capitole et ce qu'il pense et comment il voit les districts, alors, tu vois. Moi, je trouve que tu le vois plus à travers Effie qu'à travers lui, par exemple. Bah non, parce que Effie, elle est du district 12. Oui, elle représente le district 12, et après, elle est du Capitole, oui, elle vit là-bas. Et le truc, c'est qu'elle, pour le coup, elle représente vraiment, parce qu'elle y croit, enfin, on le voit notamment dans le 1. Elle y croit. Il y a le discours qui est fait, elle est en transe devant, elle est en train de pleurer, c'est quand c'est émotion pour elle, alors que c'est triste, mais carrément le contraire. C'est triste pour ceux qui vont arriver, et elle y croit. Alors que César, il est dans son rôle de présentateur télé, il est là, genre, ouais, c'est génial, c'est bien. C'est le top qui me... Bah moi je trouve que c'est top parce que, mais alors après ça rejoindra peut-être mon flop, mais je trouve que le Capitole on a un manque de visibilité par rapport à on va dire aux citoyens moyens, et moi je trouve que lui en fait il le représente un petit peu, et l'enthousiasme qu'il manifeste autour des Hunger Games ça représente bien tout ce que peut penser le Capitole et tout le système en fait, et moi je trouve qu'il cristallise tout ça, donc j'adore, voilà. Ok, moi mon top c'est la Dream Team du District 12, je m'explique, donc Effie, Pita, Katniss et surtout Emich. On le voit dans le 2 où ils ont tous un symbole doré qui représente leur ensemble, donc il y a Sina aussi qui se met dedans, donc qui est le styliste de Katniss. Je trouve qu'à eux tous en fait c'est ce qui fait que Katniss arrive à faire tout ça, c'est qu'il croit en elle, et c'est surtout Emich, je trouve, qui a un vrai rôle de mentor, qui dès le début pourtant on n'y croit pas du tout, mais au final il connaît trop bien ces trucs-là, il connaît les rouages, il connaît tout ça, c'est ça, ouais. Et c'est lui qui permet à Katniss de s'en sortir. Donc je mets la Dream Team, mais je mets vraiment une mention particulière pour Emich, où d'ailleurs j'adore cet acteur, où j'aime beaucoup son rôle dans Hunger Games. Et du début jusqu'à la fin, enfin il y en a qu'un seul qui arrive à. Enfin j'aime beaucoup cette relation qui existe surtout entre Emich et Katniss. Et ben voilà, c'est ce qui me permet de le mettre en avant et. Et voilà, pour la Dream Team et ta mention spéciale pour Emich, parce qu'on se rend compte que dans tous les Hunger Games, il n'y a que lui qui garde un peu la tête froide, ne serait-ce que pour tout ce qui se passe, c'est lui qui arrive un peu à poser le jeu, quand Katniss elle intervient, quand le copain entre guillemets de Katniss, Gail, il se fait sur la place publique, il se fait fouetter, c'est Katniss qui intervient, mais c'est Emich qui est en train de poser le jeu, en disant faut se calmer, il a une vraie prise de recul, il a une vraie prise de recul, et on imagine
très mal prendre parti. Enfin, même si on sait qu'il est du côté de Katniss, de tout ça, il prend aucun parti. Il est là en fait pour vraiment que tout se passe bien et que bah je pense qu'il avait déjà dans le 1 le plan de la rébellion tout ça. Bah, et il en fait déjà partie. Enfin, il en fait déjà partie. Il sait que ça existe. Il sait qu'il y a des rouages, mais voilà, il le met pas du tout en avant. Même si il y a des moments, il pourrait y avoir des rébellions. Même enfin, quand je dis Katniss qui s'interpose, il pourrait justement appuyer là-dessus. Mais il essaie de dissimuler vraiment la rébellion et d'attendre le moment propice pour lancer tout ça. Et moi, je trouve que franchement, c'est bien réussi. Ouais, bah moi je suis d'accord, la Dream Team, je l'adore aussi. Je vais pas revenir sur Image parce que vous en avez dit pas mal et je pense comme vous. Et moi, c'est aussi le changement de comportement défi que j'adore. Dans le 2 ou dans le 1, tu te dis, bah voilà, c'est un outil du Capitole, point. Et en fait, tu vois qu'elle a un cœur et puis qu'elle comprend ce qui se passe. Et la Dream Team, et moi, c'est pour ça que j'adore le 2 aussi. Mais je trouve que cette équipe, elle fonctionne parfaitement au fil des films. Ouais. Ok, Théo, ton flop? Mon flop, c'est un flop pas trop dur, mais c'est le fait que pendant les Hunger Games, on se concentre vraiment uniquement sur Katniss. Je m'explique, c'est que j'aurais bien aimé parce qu'en fait, au final, les Hunger Games, donc ça représente 12 participants, et on en sait au final très peu de choses sur ce que les participants font en termes de survie, en termes de comment ils arrivent à survivre aux Hunger Games, comment ils agissent à l'intérieur. On voit dans les entraînements qu'ils ont tous des capacités à survivre, à s'adapter à tout ça. Mais comme par exemple vous qui arrive elle à tout ce qui est test de les survies, à se camoufler, à c'est tout un peu ouais, toutes les herbes qui arrivent, enfin qui peuvent soigner ou quoi que ce soit. Mais on se concentre vraiment que sur Katniss et dans les Hunger Games on voit que ce que Katniss fait au final. Mais on n'a pas l'expérience par exemple du district 1 ou 2 qui eux sont entraînés à faire les Hunger Games et comment eux pourraient s'en sortir. On voit que bon ils arrivent à faire un groupe, mais pourquoi est-ce que ils montent un groupe sachant personnellement qu'au final à la fin il leur restera un et qu'ils sont obligés de s'entretuer. Ouais, c'est un choix stratégique. Mais enfin, je veux dire, j'aurais bien aimé voir par exemple les mentors du district 1 et 2, pourquoi ils se sont mis là-dedans, pourquoi ils ont mis cette stratégie en place. Et est-ce que c'est dit à l'avance qu'ils vont faire un groupe à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont peut-être déjà des relations une couverture globale des jeux. Une couverture globale des jeux. Moi, j'aimerais voir que le côté district 2 de Katniss. C'est ça. Je voir plus que ça. Moi, j'aurais bien aimé. Et je trouve que ça manque un peu. Après, oui, c'est l'effet de surprise à chaque fois. On sait que Katniss, enfin, elle va toujours avoir des petits problèmes à l'intérieur. Mais après, il y a l'effet de surprise. Donc, on sait pas que ce, par exemple, du district 7, il était là à ce moment-là, qu'il va faire ça à ce moment. Et du coup, ça donne l'effet de surprise de pas savoir où se trouve quel personnage du district. Mais ça manque un peu de diversité dans les Hunger Games. Après, je trouve que tu les vois quand même. Moi, je trouve qu'il est intéressant quand même ce point de vue uniquement de Katniss. Mais tu t'arrives à voir la philosophie des carrières, hein, District 1 et 2. Donc avec Chloe, je crois, dans le début. Kato. Kato, tout à fait, au début aussi. Enfin voilà, on les voit tous. Hein, ils ont tous, c'est des meurtriers, ils sont prêts à faire. Après, ouais. Est-ce qu'ils sont puissants? Moi, du coup, je me pose un peu la question parce que, bah, au final, je trouve, ils font peur, mais ça va. Mais je veux dire, tu sens qu'ils ont clairement un plan. Après, je trouve qu'on le voit assez, mais les voir de l'intérieur, ça m'aurait pas spécialement. Moi, je suis pas sûr non plus. Je peux comprendre le système de Battle Royale que t'as envie de le voir un petit peu plus développé. Et puis tout ça. Maintenant, je pense que l'histoire, elle est pas forcément là. Elle est vraiment sur Katniss. Ça survit dans les jeux. C'est l'histoire qui fait que. Mais pourquoi pas après tout. Mais je sais pas, ça aurait pu faire bizarre peut-être si tu suis vraiment l'intrigue de Katniss. Et après, plus un ensemble des jeux. Peut-être que dans l'histoire à l'écran, ça aurait passé un petit peu moins bien, tu vois. Parce que on sait que quand on suit les jeux, on a souvent un retour au studio avec César qui est en train de présenter. Oui, par exemple, il dit ah oui, c'est les abeilles qui ont été créées en laboratoire. Donc on voit qu'il commence à créer un bestiaire, des créatures qu'il n'y avait pas, qui peut pas exister dans le monde réel, et que eux ils ont créé spécialement pour les jeux. Alors on voit un peu de découverte là-dessus, mais ça s'arrête là. Il y a pas plus. Il pourrait pousser dans les notre créature. Ou des petits. Des dans petits... le 2, déjà, c'est de plus poussé pour le coup. Ouais. C'est-à-dire dans les jeux de l'expiation. Tu vas avoir la fumée, les bâtons. Oui, mais ça reste au niveau de la carte, hein, de la carte qui est choisie pour faire le Hunger Games, la fumée. Oui. C'est un truc qui pourrait ressortir avec n'importe quelle carte. Comme par exemple les abeilles, ça peut être n'importe où, tu vois. Ouais, c'est vraiment créer une sorte d'écosystème propre au jeu de Hunger Games. Ok, Bertrand, ton flop à toi. Alors mon flop, alors moi c'est un peu de la science-fiction, enfin je sais pas, mais je parlais du Capitole tout à l'heure, et bah moi j'aurais aimé en voir plus en fait. Alors on en voit un petit peu plus dans le 2, avec notamment la soirée du Capitole, l'espèce de soirée mondaine qui se passe, et on voit à peu près le genre de personnes qui y vivent, mais on nous place beaucoup le point de vue du côté des districts, et notamment du 12, ce qui est normal, mais moi j'aurais vraiment aimé voir...
plus d'inside dans le Capitole pour voir qu'est-ce que le citoyen moyen du Capitole pense, comment il vit, etc. Est-ce qu'il a une vraie haine sur les districts? Est-ce qu'il a un côté plus politisé où il va se dire que c'est pas si bien que ça, mais il le vit parce qu'il l'accepte, ça a toujours été comme ça. Enfin, j'aurais aimé voir ça. Alors, je précise que j'ai pas lu les livres, hein, je m'en tiens qu'au film. Mais voilà, cette partie-là, au niveau des films, j'aurais aimé la voir plus développée. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord, mais moi je trouve qu'en fait elle est bien représentée dans le sens où justement tu vois le fait de voir le point de vue d'un district qui est pauvre, donc comme le district 12, quand tu vois tout de suite le Capitole arriver, déjà rien que quand tu montes dans le train et quand Effie elle dit l'acajou, des trucs en cristal, enfin ces trucs complètement démesurés, tu t'en rends plus compte. En fait, la valeur est carrément différente d'un point de vue à un autre. Eh bien, tu te rends compte parce qu'il y a un décalage qui est tellement ultime que voilà. Il y a un moment aussi dans le 1, je crois, où Emich il regarde et il y a un enfant qui joue, il reçoit une épée et il va tuer quelqu'un. Et que tu vois les gens rigoler, qu'en fait, leur vie, elle est là. Et en fait, ce sont des animaux. On les met dans une arène, on s'entretue et on fait des paris. Et non, c'est leur amusement. C'est ça, tu vois. Mais dans la soirée mondaine aussi, on le voit. Ils se font vomir avec pour remanger derrière, tout ça. Chaque fois que tu les vois, t'arrives à voir globalement un décalage qui est total. Et je trouve que globalement, tu vois assez quand le Capitole est tous derrière devant le mariage. Ouais, mais tu les vois toujours à peu près dans une situation autour des jeux. Ouais. Et tu les vois pas en dehors. Tu vois pas vraiment, je sais pas si t'interroges 10 personnes du Capitole, il y en a peut-être 8 qui te soutiennent Snow et qui sont à fond avec lui, j'en sais rien. Mais t'en as peut-être qui pensent différemment. Je sais pas, hein, peut-être qu'ils sont tous dans le même délire. Après, ils sont élevés et dans ce délire-là. Pour eux, ça existe depuis toujours, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. On leur explique que tous les ans, c'est la grande fête. Enfin, c'est le truc que tout le monde attend, en fait. Donc, et j'en reviens à mon top de tout à l'heure qui est César. Et moi, je me demande si tous les du Capitole sont pas un peu dans ce délire là, c'est-à-dire c'est tellement normal, c'est tellement génial que pour moi c'est impensable de faire autrement. En fait. Ouais, voilà, et on croit à fond dans le système et on n'a pas de scrupules, pas de doute quoi. Ouais, moi je te rejoins dans le sens où par exemple au Capitole, comment est-ce que les gens ils sont arrivés là? Pourquoi ils sont pas dans le district 6 ou 7 ou c'est leur naissance. C'est la descendance, c'est leur naissance, mais est-ce qu'ils font un travail spécifique? Qu'est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? Ils vivent de tout ça. Bah ça dépend, ça va être des trucs décalés, ça va être justement tout ce qui est mode, ça va être en fait, c'est un peu comme nous, enfin comme nous. T'imagines que plus tu es éloigné du district et moins tu vas avoir importance, on va dire. Globalement, plus tu te rapproches du district et plus socialement tu vas être fort. Je crois que le district 5, ça va être les géologues, etc. De mémoire. District 2, c'est l'armement. L'armement, tu vas avoir les 1, ça va être principalement les carrières, etc. Le district. J'ai peur de dire 7, je crois que. Non, pas 7, je sais plus, celui de Phoenix, je crois que c'est la pêche, etc. Phoenix, c'est pas le 5. Oh, j'ai un doute. Non, je sais plus. C'est les géologues, c'est BT. Ah oui, c'est BT, ouais. Mais enfin voilà. Globalement, eux, ils sont là parce qu'ils sont là. C'est comme, je sais pas, à Paris, tu vas avoir un truc décalé, imagine. Ah, on y vient enfin à cette comparaison. Mais si tu viens dans une grande capitale, tu vas avoir des rôles qui vont être un peu plus dans les sociétés, dans ces choses-là. Alors que plus tu vas t'éloigner dans une campagne, tu vas avoir un côté un peu plus cultivé, cultivateur, donc agriculteur, tu sais, des matières premières en fait. Bah, il suffit de voir déjà, ne serait-ce que le district 12, on sent bien que c'est le district le plus pauvre, etc. On voit le district 11 qui est le district de Trèche et de. Voilà, et qui est, je sais plus l'autre tribu, la petite fille là, qui est roux, voilà. Enfin, on sent que c'est les deux districts qui souffrent le plus, c'est l'image qui est donnée. Et puis le 13 a été anéanti, enfin, à ce moment-là de l'histoire. En gros, ce que tu dis, c'est qu'au Capitole, en gros, t'as les sièges sociaux de toutes les entreprises qui vont. Pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas développer le mannequinat, tu vas développer les trucs des Hunger Games. Le superficiel, quoi. En fait, il faut savoir que eux vivent, ils sont richissimes, et globalement, et ils vivent de tout ce que va faire. De l'approvisionnement, en fait. Tous les districts. En gros, de 1 à 12 et de 13 dans le temps, eh bien, le Capitole va vivre d'eux. Et c'est comme à l'ancien temps, si tu veux, au Moyen-Âge, où des paysans, eux, cultivaient la terre et avaient une comment on appelle ça De quoi L'impôt. L'impôt, merci. Des impôts, en fait, qui vont venir dessus et on va te supprimer peut-être 50%, 75% des revenus et tu vas vivre avec 25, tu vois. C'est ça le truc. Ok, eh bien moi en flop j'en ai deux, donc c'est la suite en fait. Je trouve que autant du 1 au 2 ça passe parce que Suzanne Collins arrive à faire un chemin qui est pas trop dérangeant, autant je trouve qu'avec la suite et surtout dans les films, je trouve que la partie 1 et 2 c'est beaucoup trop long, où du coup c'est un peu trop haché et j'arrive pas trop à, même s'il y a une continuité de l'histoire etc, je trouve que ça suit pas vraiment, il y a un truc un peu bizarre et j'ai pas forcément aimé. Enfin, j'aime bien l'histoire, mais j'ai pas forcément aimé la suite dans le sens où je trouve que ça découle pas naturellement. Ça va beaucoup trop vite, il y a quelque chose qui s'accélère, c'est pas naturel et je trouve que c'est un peu dérangeant. Et aussi, je le mets parce que je voulais le mettre aussi dans mes flops. Je trouve que le jeu de rôle de Jennifer Lawrence, j'ai du mal, je trouve qu'elle fait souvent la même tête et ça me perturbe. Autant dans le 1, je l'ai bien aimé, dans le 2, ça commence à tiquer, dans le 3 et 4, je vois que c'est globalement la même chose et je trouve qu'on en fait beaucoup sur cette actrice, au moins sur ce film-là.
C'est mon avis. Alors, pour répondre à ton premier flop, en fait, entre le 2 et le 3, on va dire, enfin, ça bascule, le schéma n'est plus le même. Le 1 et le 2, c'est on commence dans le district, on va Hunger Games, on souffre et puis on s'en sort à peu près à la fin. Dans le 3, on passe sur quelque chose de totalement différent, ouais, qui est la révolte, qui est la politique. C'est là que du coup, tu pètes tout d'un coup. Je trouve que le changement est trop brut, en fait. Bah, il y a une cassure, parce que bon, bah, il y a une cassure à la fin du 2, et puis bah, direct dans le début du 3, ouais, t'arrives sur autre chose. Après, moi, le 3 partie 1, c'est peut-être celui que je préfère en tout, parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant, on va dire. Mais enfin, tout le côté propagande, révolte, et puis on voit que les rebelles, alors attention, ils sont entre guillemets gentils, enfin, mais ils n'hésitent pas non plus, ils sont en guerre, ils n'utilisent pas à faire des spots de propagande un peu, des fois grossier. Mais ouais, t'as une cassure dans le rythme, c'est, moi, me dérange pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence. Après, sur Jennifer Lawrence, moi je l'adore en Katniss. Sur d'autres films, faut voir, mais en tout cas sur en Katniss, je la trouve. Non mais moi aussi. Après, je me suis même posé la question, est-ce qu'on lui demande pas de jouer de cette manière-là exprès pour ce que Katniss est, qu'elle est pas du tout vedette, qu'elle est pas devant la caméra, qu'elle est pas tout ça. Mais je trouve qu'elle a souvent la même tête, la même expression, et je trouve que ça me perturbe avec le temps. Et autant dans le 1, je l'avais bien aimé, je dis ouais, bah elle est cool. Autant avec le temps, ça m'a redondant. C'est redondant. Et Jennifer Lawrence. Moi, Jennifer Lawrence, un peu la même chose que toi. Au final, ouais, c'est un peu redondant, mais je me dis que c'est justifié si on demande de la jouer comme ça, parce qu'au final, Katniss. Après, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est le cas ou pas? Moi, je la trouve crédible et pas du début. Du début à la fin, elle est toujours un peu pris de court dans tout ce qui se passe. Je la trouve pas extraordinaire. C'est vrai que moi, on aurait mis quelqu'un d'autre à la place, j'aurais pas crié au scandale, tu vois. Bah, je sais pas. Après, moi, je sais pas parce que. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a vu sur certaines franchises que bizarrement, si t'as des acteurs un petit peu en dessous, les franchises tiennent pas. Pour moi, si c'est pas Jennifer Lawrence et une autre actrice peut-être moins bien, je suis pas sûr que les Hunger Games, même si c'est pour moi il est très bien écrit et j'adore, tu vois, moi je trouve qu'apporte quand même la chose. Alors elle est pas toute seule, parce que mine de rien il y a un casting assez incroyable autour. Je pense que ça aurait été n'importe quelle actrice, ça aurait fait le même truc. Ah bah je suis pas persuadé, tu vois. Si, parce que je suis franchement pas persuadé. J'ai vu les actrices, mais après t'en avais une ou deux qui étaient pas mal non plus, et elle mise beaucoup sur son physique au final, de mignonnette machin ce que tu veux, et au final je trouve que tu aurais pu mettre. Je pense que c'est l'histoire qui prédomine, toi. Je pense que tu fais allusion aux divergentes, tout ce truc comme ça, non? Labyrinthe, entre autres. Ouais. Le truc, c'est que tu mets quand même des personnes qui sont pareilles, qui ont un physique qui est plutôt pas mal, etc. Qui sont un peu beaux gosses ou autre. Et au final, ça tient pas parce que c'est l'histoire. Bien sûr, l'histoire d'Hunger Games, pour moi, sur les grandes sagas, on va dire, c'est la dernière qui est vraiment bonne. Mais c'est surtout la première de sortie qui fait découler plein d'autres histoires derrière. C'est l'effet de mode, c'est Hunger Games qui déclenche tout, en fait. Ouais. Bah après, moi, j'avais même lu que Hunger Games découlait des Harry Potter, enfin surtout des Harry Potter, des Twilight. Mais derrière. D'ailleurs, Jennifer Lawrence avait postulé pour jouer Twilight. Bah c'est bien qu'elle soit pas dedans. Mais non, en tout cas, moi me dérange pas là-dedans, quoi. Elle me dérange pas. Et Théo, du coup, pour la cassure entre le film 2 et 3. Pour la cassure, moi j'aime bien le côté, alors j'ai pas lu le livre, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi que ce soit, mais à la fin du 1, on sent que Snow il est un peu mauvais, parce qu'elle a réussi à contrer le Capitole de cette manière en les forçant à que c'est soit il y a deux gagnants, soit il n'y en a pas du tout. Et du coup, Snow il se venge un peu en lançant l'expiation, donc en deuxième. Et en fait, c'est un peu un avertissement que Snow, et moi je pense que, enfin je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'en fait ça vient au fur et à mesure. C'est que Snow lance un avertissement dans le 2 en disant pas de rébellion, je sens qu'il y a un début, je sens qu'il y a quelque chose, je lance l'expiation pour espérer que Katniss meurt d'ailleurs à l'intérieur. Fond, moi c'est la suite par rapport du 2 ou 3. Après l'expiation, faut savoir que c'est tous les 25 ans, t'as une expiation en gros, et que t'as du coup quelque chose de particulier. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je crois de mémoire dans le livre qu'en gros Snow fait exprès de choisir ce truc là. En fait, ils disent qu'il y a une grosse boîte avec plein d'idées d'expiation, si tu veux, mais genre plein, et que Snow en prend une au hasard, si tu veux. Mais comme par hasard, ça tombe sur le devant, par exemple, justement, chaque. Il se dit pour remédier à tout ça, parce que je sens que les vainqueurs des Hunger Games prennent de l'ampleur, et là je commence à. Voilà, bah, je vais utiliser ça, comme ça, bah, j'en perds déjà 23 sur. Non, mais je sais ce que tu veux dire, mais moi, c'est vraiment l'expiation qui sauve un peu la chronologie de l'histoire. Si ça avait été par exemple un 63e un 63e Hunger Games, et qu'au final derrière il n'y a pas eu d'expiation, et que Katniss aurait fini par être victorieuse du Capitole, et que par contre derrière ça lance une grosse révolte sans l'expiation, je pense que ça serait moins bien passé, tu vois. Oui, non, mais le truc c'est c'est vrai que ça se retourne contre lui, l'expiation d'ailleurs. Si c'est pas spécialement le 2 qui me fait, j'aime bien le 2. Oui, non, mais moi je. Mais c'est après le 3, tout s'accélère, ça va vite. Oui, c'est vrai. Ça me perturbe un peu. Dans les films, ça me perturbe. Moi, pour revenir là-dessus, c'est plus la partie 2
tu vois, qui me, ou quand ouais, la deux, tu sens qu'elle est vraiment loin. Leur entrée dans le Capitole, je la trouve avec les Squad Stars, etc. Je la trouve un peu étrange. Et non, c'est clair. D'ailleurs, c'était aussi sur l'expiation, pour revenir là-dessus. C'était mon deuxième top. La manière dont tout recommence, mais en level up, en gros, ouais, avec tous les champions et tout. Le Capitole est plus fort. Ouais, et je trouve que ce deuxième film, il repart super bien avec la tournée d'abord, puis ça. Enfin, voilà, autant la fin du deuxième film, bon, je suis moins fan, on va dire, mais je trouve que tout le début et le milieu, il est génial. Si vous aviez un film que vous avez préféré des quatre, et si vous deviez le mettre en avant, et pourquoi, ce serait quoi ? Le 1, pour ma part, parce que c'est une grosse découverte, c'est un style de pas de science-fiction, mais d'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, je veux dire, un jeu à mort comme ça, je pense que tu mets ça dans la vraie vie, ça crée au scandale, et c'est même quasiment impossible. Bien, hein, Et c'est très différent de ce qu'on peut voir, et ça sort de l'ordinaire. Bertrand, ton film préféré des quatre ? Le 1, alors c'est vrai qu'il y avait un super effet de découverte. Moi je crois vraiment que c'est le troisième, donc le 3 partie 1. Mais ce que j'aime bien en fait, le côté, c'est on est à distance, il y a le Capitole d'un côté avec, où ils utilisent Pita. De l'autre, tu as la résistance au district 13, et puis ça sent, comment dire, ça s'envoie des pics et puis des propagandes et tout ce que tu veux. Enfin, t'as une guerre froide un peu à distance, même si, enfin, guerre froide, il y a quand même des combats. Mais en fait, le début de ça, c'est le début de quelque chose de nouveau. J'adore le schéma des deux premiers films, mais ça vraiment j'aime beaucoup avec à la fin leur mission d'extraction, mais qui est au final manipulée par Snow. Enfin, moi, je le trouve assez complet comme film, donc j'aime. J'ai celui-là. Bah moi j'ai adoré le 1, surtout pour ce que, comme Théo, hein, sur le côté découverte, j'avais été un peu bluffé, et j'ai adoré la musique du 1. Donc, globalement, même les musiques d'Hunger Games, ouais, elles sont bien, elles sont vraiment, enfin moi je les trouve vraiment bien. Donc le 1, il y avait une atmosphère que j'avais bien aimée, je me disais mais comment ils vont s'en sortir, enfin voilà, du début jusqu'à la fin, ça m'a tenu assez en haleine, vraiment. J'ai apprécié, pourtant c'est pas spécialement mon type de film, mais j'avais quand même bien aimé. Et mais surtout le 2 en fait, ça m'a bluffé, parce que du coup c'est ce contre-coup où tu sens que c'est fini, tu te dis mais qu'est-ce que ça va être la suite, et ça repart, et ouais, tu fais boire, et en fait, et même ce moment où quand je l'ai re-regardé, et c'était genre tu repars et tu vois que l'expiation va annoncer que 24 tribus, enfin 12 tribus mâles, 12 tribus femelles, anciens vainqueurs d'un Hunger Games, et là tu fais oh c'est pas vrai, et tu vois toute la désolation et en plus, des Mitch, ouais, de Pita, de Katniss, t'es en mode genre mais non, enfin ouais, tu vois, là il donne des frissons ce moment-là, et là t'es vraiment énervé même pour eux, et je trouve que justement tu dis mais comment elle va s'en sortir, enfin surtout Katniss elle est novice, les autres sont tous expérimentés, ils sont âgés, ils sont tout ça, et je trouve que vraiment le 2 je l'ai trouvé génial, et à chaque fois que je le regarde, je me dis toujours la même chose, je trouve qu'il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment top. Moi il y a juste ce moment dans l'arène qui est un peu, où je trouve qu'en fait c'est un peu flou, même si on comprend tout à fait ce qui se passe, hein, le fameux plan pour récupérer Katniss, ouais, et on voilà, mais ça, en fait ça il est pas, pour moi il est pas du tout assez visible, je trouve, dans le non voilà, il est pas visible parce qu'il y a les jeux, mais en même temps c'est protégé, mais tu sais pas trop ce qui se passe, et du coup je trouve qu'il y a une espèce de faux rythme dans les deuxièmes jeux, vraiment, ouais, quand t'es dans l'arène. Après le truc c'est que tu le vois, mais dans les livres au moins c'est mieux fait, ouais, et je trouve que du coup tu te rends compte qu'à un moment il y a, enfin c'est pareil, mais tu vois toujours Katniss, et même Katniss elle est même pas sûre de tout ce qui se passe et comprend pas, et comme dans le film en fait tu te rends compte que comme Katniss au final, eh bien c'est à la fin que tout a été mis en place, etc., et que toi t'as pas été prévenu, et il le dit Mitch, parce qu'on sait pas comment tu vas réagir et on peut pas te tenir au courant de ça. D'accord, et tout le monde était au courant de ça, et c'est pour ça qu'ils ont tous des bracelets, et que Effie a fait, oui, ça, en fait elle est manipulée, et c'est ça qui est génial aussi, je trouve. Ouais, ouais, non, carrément. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film, ou alors on passe sur les personnages et les questions? Non, et allons sur les personnages et les questions. Non, bah, non. Je pense qu'on peut passer au MVP, tout qui concerne d'ailleurs, puisque le jingle, vous l'aurez remarqué, provient des Hunger Games. Et bien c'est parti pour le MVP de Bertrand. Mon MVP pour ces Hunger Games, vous l'avez dit à demi-mot tout à l'heure, donc je vais compléter, bah, c'est Emitch Abernathy. Alors, pourquoi Emitch ? Parce que déjà, sur les premiers Hunger Games, bah, il sauve Katniss pendant les jeux, en convainquant des sponsors de lui envoyer une pommade de soin, etc., quand elle est bloquée. Même plus que ça. Pour moi, il le sauve deux fois. Il le sauve une fois quand tu la pommade, ouais, mais il la sauve deux fois en disant « t'appelles ça un baiser ». Oui, oui, non, mais du coup, j'y arrive. Oui. Et il convainc aussi, du coup, Seneca Crane de faire gagner les amoureux du District 12. Ouais. Et ça, c'est quand même... là, il sauve effectivement Pita... également, mais voilà, de sauver les deux comme ça, bah mine de rien, c'est déjà pas mal. Ensuite, bah dans le deuxième film, on arrive au moment où il organise la rébellion en secret avec Plutarque.
Donc, c'est-à-dire qu'il a sauvé Katniss, il organise la rébellion, enfin la révolte, et ensuite sur les deux parties suivantes, eh bien, il va faire partie prenante de la révolte jusqu'au bout, il joue un rôle décisif jusqu'au bout. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis Haymitch. J'avais hésité à mettre Plutarch, parce que Plutarch, mine de rien, c'est aussi c'est un peu le cerveau. Tu le vois pas dans le 1. Voilà, c'est exactement ça. Mais comme on le voit pas dans le 1 et que dans le 1, Haymitch sauve Katniss, j'ai décidé de mettre Haymitch. Bah, moi, je suis entièrement d'accord avec ton MVP. Notamment Haymitch, comme je disais, je l'adore. J'ai bien aimé à chaque fois ce personnage où il est décalé, mais à la fois, tu sais pas si tu lui fais confiance, pas confiance, mais au final, il est attachant. Et en fait, il est plus qu'intelligent. Lui, il avait gagné ses Hunger Games, je crois, à l'âge de... Il était très jeune aussi, je crois qu'il avait 16 ans, un truc comme ça. Enfin, de mémoire, il était vraiment jeune, 15 ans. Et du coup, eh bien, c'est bien. Enfin, ce personnage est vraiment attachant avec le temps. Il a plus d'un tour dans son sac. Malin. Et en fait, il a compris de lui tous les rouages en fait du Capitole. Et par exemple, quand il... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le 1, quand il dit « Faites rêver le Capitole, faites leur croire en une histoire d'amour. » Et c'est ça qui est beau. Tu vois, et du coup, en fait, il utilise les propres faiblesses du Capitole en disant bah, « Continuons dans le spectacle, continuons dans ces choses-là. » Et c'est ça que vous allez vous faire aimer. Comment maîtriser ça? C'est comme ça. Et tu vois, en fait, il arrive à faire rêver notamment Seneca Crane, qui pousse justement tout le monde à devoir le suivre et à sauver Katniss et Pita, etc. Ouais. Et du coup, bah, pour ça, je suis entièrement d'accord. Et notamment avec Plutarch, mais je pense qu'on verra tout de suite tout à l'heure. Ouais. Moi, la même chose, d'accord avec toi, avec ton MVP, c'est, je l'aurais mis aussi. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi avec Haymitch, c'est le fait que tu te références à lui. Dans le sens où, vu qu'il connaît le Capitole, il connaît les rouages, comme tu disais, et ben quand Katniss, ça va faire une action, en fait, au niveau du Capitole, quand elle met la robe, quand elle fait, par exemple, merci pour votre considération, et ben quand tu regardes, par exemple, l'autre, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Effie, quand tu vois Effie qui fait, oh mon dieu, et là, tu vois Haymitch qui arrive et qui lève le pouce, il fait, détendez-vous. Et là, ouais, c'est lui la référence. Pour savoir si c'est bien ou non ce qu'il a fait. À partir de ce moment-là, déjà, t'as un premier clin d'œil disant je suis contre le Capitole. Oui, ce qui fait j'aurais donné n'importe quoi pour voir ça. C'est que déjà, il est déjà dans une idée assez poussée. Et d'ailleurs, son côté bizarre au début où tu dis on sait pas trop si on peut lui faire confiance et tout, parce qu'il est à moitié ivre, tu te doutes que c'est le matin, enfin voilà. Et en fait, tu vois juste qu'il est détruit par sa vie de champion. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qu'on met pas assez en avant dans tous les Hunger Games, c'est cette vie de champion. Notamment, déjà, on sait que le District 12 n'a qu'un seul champion à la base, c'est donc lui, c'est Haymitch. Et le truc, c'est qu'en fait, tous les champions, on se rend pas compte, mais ça passe à travers tout. Mais tout le monde souffre en fait, et que tu sois champion, bah c'est pire encore que si t'étais mort dans les Hunger Games. Et c'est ça qui est terrible. Et du coup, on reviendra dessus sûrement probablement par la suite. Mais et c'est ça qui est génial en fait. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film? En tout cas, le MVP était parfait. Très bien. Bah, je vous remercie. J'ai vraiment hésité avec Plutarch en tout cas, mais non, là, je rien à rajouter. Ouais. Je tenais juste à dire que je ne connaissais pas Tresh. Je ne lui ai parlé qu'une seule fois. Il aurait pu me tuer, mais il a fait preuve de pitié. C'est une dette que je ne rembourserai jamais. Mais j'ai connu Wu. Elle n'était pas seulement mon alliée, elle était mon amie. Je la vois dans les fleurs qui poussent dans le pré près de la maison. Je l'entends dans le chant des gemmes au cœur. Je la retrouve en ma sœur prime. Elle était trop jeune. Trop gentille. Je n'ai pas pu la sauver. Je suis désolée. Nous allons passer sur les personnages des Hunger Games, et donc nous allons faire exactement comme toutes les semaines, avance rapide, petit ficus totalus et peut-être un cri du porc si vous n'êtes pas d'accord. Et nous allons commencer par Pita Mellark. Eh bien, je vais déjà dire un stop, en sachant qu'on a 5 stops. Hein. Tout à fait. Ouais, bah j'en envoie un stop. Théo. Stop sur Pita. Oui, vas-y, je te mets stop. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure vu que c'est mon top, mais je te laisse en dire. Oui, c'est vrai que c'est ton top, ouais. Non, bah moi, Pita, je l'aime bien dans le sens où, voilà, c'est le rock de Katniss.
il va arriver aussi par la force des choses à la séduire, enfin du moins à être choisi par elle. Et là où je le trouve encore plus intéressant, bah, c'est quand on arrive dans cette partie 1 du troisième film où il est manipulé par le Capitole, mais nous à ce moment-là on n'a pas ce point de vue-là, on ne le sait pas. Et là on se dit, attends, est-ce que, parce qu'il n'était pas au courant évidemment que de la fin des 75e jeux, donc est-ce qu'on se dit qu'il est manipulé, est-ce qu'on se dit est-ce qu'il soutient le Capitole là-dedans, enfin tu sais pas trop. Et puis arrive ce moment où il avertit le district 13 des bombardements, et là tu te dis, ah oui d'accord, ok, il est manipulé. Et après pourtant il le récupère, il revient, et là on voit qu'il est fou de rage, qu'il veut tuer Katniss, etc. Ils l'ont carrément formaté. Voilà, c'est ça. Et d'un personnage déjà important, il devient encore plus important. Et pour tout ça, moi je m'arrête dessus. Quoi. Moi je suis d'accord avec vous, et surtout moi je trouve que un truc qui est notable, c'est tu vois l'évolution Gail Katniss et Katniss Peeta. C'est par cette histoire d'amour, du coup, on se posait la question jusqu'à la fin avec qui va se mettre, ouais, parce qu'on s'en doutait. Je trouve que dès le départ, Gail il part avec une longueur d'avance qui est, enfin voilà, c'est pas mesurable. Peeta il part avec des années de retard. Et en fait, juste par un malheur, par quelque chose de fort, ouais, un fait désastreux. Tous les deux, ils ont vécu quelque chose de fort. Mmh. Et du coup, Gail, en fait, à partir de ce moment-là, il perd la bataille. Parce il pourra jamais revenir dessus. Il n'y a que Peeta qui peut comprendre ce qu'a vécu Katniss. Il n'y a que Peeta qui peut comprendre ce qui s'est passé dans les jeux. Il n'y a que Peeta qui connaît. Et du coup, à partir de ce moment-là, Gail a perdu. On ne s'en rend pas compte. Katniss essaie de faire de la résistance qu'elle est elle-même perdue. Mais du coup, Peeta, je trouve qu'il évolue tellement bien dans ça. Je trouve que son personnage, il est à la fois il est gentil, puis à la fin. Il passe par plusieurs émotions contre son gré. Hein. On adore, je pense que tout le monde aime Peeta au final. Oui. Mais du coup, il est génial dans ce rôle-là parce que le personnage est intéressant parce qu'il change plusieurs fois de façon nette. Et même jusqu'à la fin, t'as toujours un doute sur lui. Mm-hmm. Donc, pas la fin, mais la fin, au moins dans le Capitole, dans la Révolution, ouais, où t'as un doute sur lui. Et même lui se rend compte qu'il, au final, mais il va le dire. Il le dit d'ailleurs, mais tuez-moi. Enfin, vous voyez bien que je suis pas du tout. C'est ça. Et puis, il demande à être menotté un moment. Est-ce qu'il dit que je suis encore dangereux, etc. Donc, entièrement. Du coup, second personnage, Effie. Stop. Ok, stop. Allez-y. Vas-y, Théo. Stop. Moi, Effie, je l'ai adoré, ne serait-ce que par son jeu d'acteur. Parce que le jeu d'acteur, il est parfait. Hein. Franchement, il rentre bien dans le citoyen du Capitole qui est formaté à suivre les Hunger Games. Ouais, à croire au système, tout ça. Ouais. À croire au système. Et au fur et à mesure, on voit qu'elle s'attache à Katniss et qu'elle n'est pas spécialement utile dans le sens où elle va pas forcément faire des faits qui vont être notables. Mais elle est toujours là. On sent que si elle n'était pas là, il manquerait quelque chose, tu vois. Mmh. Mais le fait qu'elle soit là, tu te dis, ça veut dire qu'elle soutient encore la cause, qu'il y a toujours une épaule sur laquelle pleurer, parce que elle comprend tout ça, elle comprend les rouages du Capitole, et que moi je trouve qu'elle est très utile juste par sa présence, en fait. Et c'est contre son gré, en fait, qu'elle est utile. C'est à la base, elle y va dans une autre optique, de faire son job, en fait, de mentor, en gros, ouais, de préparatrice de tout ça. Et en fait, elle se prend au jeu aussi parce que elle développe, elle gagne du coup les Hunger Games par le biais de Katniss et Peeta, et surtout elle gagne de l'importance au Capitole, et du coup elle garde ce rythme-là, et jusqu'à la fin, tu vois, elle reste décalée, etc. Mais du coup, elle prend part pour Katniss parce qu'elle développe une affection pour eux. Et c'est vrai qu'Effie, j'aime bien aussi cette évolution de personnage dès le départ qui est assez détestable, de par tout ce qu'elle représente et par ses mots, par ses actions. Et au final, plus elle avance, et plus moi je l'aime bien jusqu'à la fin. Au final, après qu'elle termine avec Emich, ça c'est. Non, c'est pas, j'ai pas du tout aimé. Mais ça, c'est vrai que ça importe peu. Mais moi, ouais, c'est la transformation dans le 2 moi, que je trouve géniale, parce que c'est. Je voulais dire aussi, ouais. Voilà, c'est là où en fait, même. C'est presque notre. Enfin, pas notre œil, parce que nous on sait que c'est mauvais dès le départ. Mais voilà, elle qui est inside, eh bien, elle se rend compte, elle commence à ne plus croire dans le système. Et elle commence à comprendre que tout ça c'est pourri, quoi. Et. Après, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'elle garde ce truc-là. Enfin, elle garde le côté. Elle pense pas spécialement que c'est pourri. Je pense qu'elle commence à lâcher prise. Elle se rend compte que c'est triste. Ouais. En fait. Ah bah triste. Mais, oui, mais attention, il y a une différence. C'est-à-dire que, par exemple, si Katniss avait perdu, et elle aurait continué. C'est juste parce qu'elle a développé quelque chose pour Katniss que là, elle va perdre un être cher. Et donc, du coup, elle se dit, là, en final, moi aussi, j'ai des émotions, moi aussi, je comprends, moi aussi, je suis humain. Et bien que j'ai été élevé dans le Capitole, et bien au final, ça m'embête de perdre quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, mais moi, justement, je trouve qu'à travers tout ça, et c'est pour ça qu'elle va se mettre du côté des révolutionnaires, quoi. C'est que moi, contre son gré. Attention. Ouais. Parce qu'elle est prise de force. Oui, elle est prise de force, mais tu vois bien qu'au final elle est enclin à ça, enfin
moi je trouve que justement la transformation dans le 2, c'est surtout au moment des jeux de l'expiation, tout ça, elle est triste, mais là je trouve qu'elle commence à moins en moins croire dans le système du Capitole, quoi. En tout cas, moi c'est là où je trouvais les filles intéressantes. Ok, Gail. Avance rapide. Emich, on en a déjà parlé. Ouais, avance rapide parce qu'on a déjà parlé. Ouais. Primrose Everdeen. Avance rapide pour moi. Bon, avance rapide. Ok. Roux. Ah, j'ai un doute. Tu veux dire quelque chose, Théo? Enfin, tu avances rapide. Non, elle me rend martyr, quoi. Bon, avance rapide. Très bien. Le président Snow. Stop. Ouais, un gros stop. Gros stop, ouais. Bah, le président Snow, on parlait tout à l'heure de Flickerman, tu sais, qui est le. Peut-être le symbole de tout le système. Bon, bah, le symbole ultime, ça va être Snow. Bah, Snow, je sais pas, c'est l'exemple peut-être du tyran ultime. Alors, lui, c'est même pas qu'il croit en son système, c'est que. Enfin, il croit en ses actions à lui, mais il sait que c'est mal. Il sait que c'est mal. Voilà, oui, il sait que c'est mal. Et puis, bah, c'est le grand manipulateur, le grand calculateur qui sera dépassé par son propre jeu au final. Mais. C'est pas tant un personnage aussi manichéen que ça, c'est-à-dire qu'à la fin, dans cette dernière discussion qu'il a avec Katniss, où lui dit j'ai perdu la partie parce que les rebelles ils sont plus ou moins aussi pourris que moi, etc. Enfin voilà, tu vois qu'il a énormément de recul et t'as presque un minimum d'empathie avec lui à ce moment-là. T'as vraiment un minimum d'empathie et moi je le trouve très intéressant et c'est le méchant sans être un grand méchant. Moi, c'est mon personnage préféré du truc. Autant j'adorais Mitch ou même Plutarch, mais le président Snow, je trouve que c'est le mieux. Le mieux, pourquoi ? Parce que déjà, il le dit à un moment, la paix est fragile. Et du coup, il le fait, lui, pour la paix. En fait, il sait que c'est mal, mais il dit que c'est une petite contribution pour garder la paix avec tout le monde. Une sorte de mal nécessaire, quoi. Voilà. Et en fait, il se dit, bah, vaut mieux ça plutôt que d'avoir une guerre et d'avoir des millions de victimes. Après, il le fait par des actions, voilà, attention, et puis, plus que douteuses. Et puis, voilà, il y a un égoïsme aussi de sa part. Ouais, voilà. Mais je l'adore vraiment pour tout ce qu'il fait, qu'il est manipulateur, qu'il a un coup d'avance sur tout le monde, qu'il n'hésite pas justement à mettre des moyens dans ça, à maîtriser tout le monde. Dès que ça lui plaît pas, boum, il agit direct. Ce n'est qu'à créer une bam avec la baie de sureau. Je trouve qu'il il a un côté qui est même assez diabolique en fait. Où du coup, il fait ah, voilà, bah tiens, tu vas goûter la baie de sureau, tu vois ce que ça fait. Romantique, je sais pas, mais un petit peu abstrait. Ouais. Et même cette histoire avec les ulcères qu'il a auprès de la bouche, qu'il avait avec le poison, qu'il garde en fait ses roses blanches et que tu ne comprends pas pourquoi les roses blanches. Et puis du coup, tu comprends avec le temps qu'il a une vraie histoire derrière lui, etc. C'est pas qu'il est puissant, c'est juste qu'il est malin. Et après, il se fait dépasser par la force des choses parce que après tout, le Capitole dépend tellement des districts qu'il, de toute façon, il le savait et c'est pour ça qu'il le fait en fait. C'est pour garder ce pouvoir, cette petite bande ou ce petit lieu qui est très fragile et par rapport aussi à tous les districts, mais comme au fait notre société à nous, et un jour on pourrait peut-être faire le lien avec tout ça. Mais je trouve qu'au final, le président Snow lui a tout compris et il l'a géré pendant, on va dire, au moins un bon bout de temps et je trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. Moi, ce que j'allais dire sur le président Snow, c'est quelque chose qui est très bien, qu'il fait très bien, c'est que tout le long des quatre films, en fait, t'as l'impression qu'en fait, il est toujours gagnant, qu'il sait toujours ce qu'il fait, et que même dans la défaite, quand Katniss prend le dessus, eh bien, il va toujours faire en sorte de montrer qu'il peut gagner, même s'il est dans une position de faiblesse. Par exemple, c'est celle qui dirige la rébellion. Président Coyne, le président, lui, il est entre guillemets sur la potence, quoi. Il est sur le point d'être mort. Et il a réussi à manipuler Katniss pour faire en sorte que donc elle meure par la main de Katniss. Et même s'il est sur le fil du rasoir et qu'il est en train de mourir, littéralement il sait qu'il est perdu, et il essaie d'emmener le plus de choses avec lui pour dire au final j'aurais fait quelque chose et dans tous les cas si j'avais mieux agi, si j'avais mieux choisi les bonnes personnes, j'aurais pu m'en sortir. Mais il fait surtout comprendre à Katniss que le mal n'est pas représenté que par lui, quoi, que ça va plus loin que lui. C'est la société en fait qui est comme ça. Moi je trouve qu'au-delà du jeu d'acteur que je trouve génial parce qu'il incarne la peur de A à Z et qu'en fait, bien que ce soit un seul homme, t'as peur de lui. T'as pas peur des autres, mais t'as peur de lui. Et en fait, mais même je trouve qu'au final, c'est pour ça que je l'adore aussi, c'est que en fait, le président Snow, pour moi, il a quand même une victoire à la fin. Même dans sa mort, il gagne simplement parce que Coyne, elle arrive pas du tout en fait à là où elle voulait l'être. Elle l'a détrôné. Et du coup, il s'est dit, mais Katniss, au final, il a réussi à la manipuler par plein de choses. Et c'est lui, en fait, qui lui dit, donc, on pense que c'est le Capitole qui, justement, fait un attentat et tue Primrose. Mais au final, il lui dit, quand Katniss va là, il fait, mais vous pensez vraiment que c'est moi, j'aurais pas fait ça, etc. Et au final,
on sait même pas, au final on n'a pas vraiment de réponse, parce qu'on a que le point de vue de Katniss, et il arrive à la manipuler en mode genre, eh ben, c'est elle au-dessus, et tu le vois bien, moi quand il y a cette flèche qui part et qui tue Gunn, et du coup qu'il est mort de rire, et qu'il va se faire tuer par tout le monde, mais qu'il est mort de rire, eh ben, je trouve qu'il a une belle mort, génial, mais il est vraiment beau, et dans le sens où bah, il a gagné, et pour moi il gagne quelque chose, il meurt mais il gagne quelque chose. Moi ce que j'ai bien aimé aussi avec le président, c'est l'interaction qu'il a avec sa petite fille. Il ouais. y en a pas beaucoup, mais j'ai bien aimé, c'est quand sa petite fille a fait, quand elle voit donc Katniss avec Pita en disant j'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un qui m'aime autant. Et là, enfin, c'est une sorte, c'est pas une prise de conscience de sa part, mais j'aime bien le fait que elle voit Katniss et Pita comme un beau couple et que une réalité et qu'elle a pas, enfin qu'elle a pas conscience des problèmes que ça engendre auprès du président Snow, et que lui essaie de dire bah, si. Je sais pas s'il peut ressentir un peu d'émotion pour sa petite fille en disant si elle pense comme ça, est-ce que ça va peut-être changer ce que je pense, quoi que ce soit. Moi je pense que justement là il se dit mais un jour tu aimeras quelqu'un comme ça, oui, parce c'est que ça. C'est du jeu en fait. Et un jour oui tu auras quelqu'un comme ça, mais c'est du, pour moi c'est du sous-entendu, c'est oui tu y arriveras aussi. Ouais, parce ouais. que lui il sait que c'est du jeu, et il voit que, si tu vois la différence entre lui et justement les habitants de Panem, c'est que lui il sait que c'est du faux. Ouais, voilà, c'est ça. Panem, il croit une réalité. Et c'est là où le président Snow est beaucoup plus fort que n'importe quel autre, c'est que bah, là-dessus il arrive à voir des choses que d'autres ne voient pas. Au final ce qui est monstrueux c'est qu'il arrive quand même à manipuler sa petite fille, quoi. Même dans ça, il manipule tout le monde, mais c'est, il est dans la manipulation totale. C'est un pour ça qu'il est génial. C'est un fou. Donc, on va avancer maintenant. Ouais. Le personnage de Plutarque. Plutarque. Alors, on a déjà fait trois avance stops. Tout à fait. Bon, moi, je vais faire mon Petrificus Totalus alors. Ok. Le cri du bon. Alors, moi, je fais mon Petrificus Totalus très rapidement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais Plutarque, il organise en secret la rébellion. Et moi, ce que j'adore en fait chez lui, c'est son audace. Et comme il le dit à un moment à Katniss, c'est son ambition, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme avec une idée et il y va. Et de sa fonction de haut juge, il n'était pas obligé, il a un peu tout à perdre en faisant ça. Il a vraiment tout à perdre en faisant ça. C'est pas un gars qui est opprimé, etc. Il y va parce que c'est un gars avec une idée, il y croit et il va au bout. Et moi, j'adore. Bah, moi, si je peux me permettre, parce que du coup, je n'ai pas de Petrificus Totalus, eh bien, j'estime que lui, en fait, c'est un snow, mais encore pas métamorphosé. Dans le sens où, en fait, Plutarque c'est déjà se positionner du bon côté des choses. Il sent que le Capitole va... Voilà, c'est pas ses idées, etc., qu'il veut, parce qu'il a une certaine humanité, on va dire, qui des districts. Seulement, il se met du bon côté au bon moment, et tu regardes que c'est le seul à rester en vie et qui restera du côté du pouvoir, etc. Ouais, bien et sûr. Que, au même titre que Snow, il a su se mettre et ranger du bon côté, et peut-être que même lui, un jour, deviendra président. Ouais, je suis d'accord, mais sauf que pour moi, c'est vraiment quelqu'un de bon. Oui, c'est réellement quelqu'un de bon. Faut le dire quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que pareil, il est capable. Il le fait pas simplement. Il est manipulateur. C'est lui. Enfin, même Katniss. Ouais, c'est le cerveau. C'est un vrai cerveau, et je trouve qu'il est vraiment bien. C'est le cerveau, et c'est quelqu'un de bon, et c'est encore un super acteur qui est décédé malheureusement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on le voit pas dans le 3 et que ça se termine par une lettre, etc. Ouais, ouais. D'ailleurs, il est bien sa lettre aussi pour moi. Fini Coder. Avance rapide. Moi je vais faire. Bah tant pis, je m'autorise un Petrificus Totalus. Et bien, Fini Coder, pour moi, c'est pareil, un des personnages que j'aime beaucoup dedans, parce que j'aime bien ce côté, justement. Faux aspect, encore une fois, où on a l'impression qu'il est, enfin, il fait beau gosse, il fait machin. Et au final, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui a, pareil, qui déjoue un peu le système du Capitole. Hein. Le président Snow loue son corps à la population. Et donc, du coup, lui, en échange, il dit j'ai pas d'argent, mais j'ai des secrets. Et c'est comme ça qu'il arrive à vivre de tout ça. Et il essaie d'obtenir des secrets de tout le monde. Et c'est quelqu'un, on peut le considérer, et je trouve moi je l'ai vite assimilé à Kato par exemple, en mode je suis un destructeur, un beau gosse destructeur, et puis il y a que ma petite gueule qui m'intéresse, complètement. Et au final pas du tout, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui il voit beaucoup plus loin, justement il a son amoureuse, du coup ça reste Annie, qui a des difficultés, enfin voilà, qui je crois qui est même presque handicapée je crois dans les livres, qui a un vrai souci de quelque chose, je sais plus quoi, ou un traumatisme. Il souffre tellement que lui aussi il se range de ce côté-là. Après, un truc particulier, j'ai pas du tout aimé sa mort. Alors, autant dans les livres, je trouve qu'elle passe, mais rapidement, mais elle a un côté triste. Autant dans les films, elle est pas du tout triste, on revient pas dessus. Derrière, ça s'enchaîne sur encore une grosse action. Et je trouve que c'est dommage parce que ça méritait beaucoup plus que ça. Et parce que pour tout ce qu'il va faire pour Katniss, pour Pita, etc., ça méritait beaucoup plus que ça. Non, c'est vrai. Donc nous avançons. Bertrand, tu en as déjà parlé. César Flickerman. Oui, je vais faire une avance rapide par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. Coins. Stop. Stop. Très bien. Allons-y. Moi, ce que j'adore chez Coin, c'est qu'en fait, au début, tu penses vraiment que ça va être le visage de la rébellion et
qu'elle croit absolument pas dans le système du Capitole et dans pour le district et tout. Et elle, par contre, en fait, bah c'est le nouveau mal, quoi. C'est au final, on voit qu'elle est pas si différente que ça. Va remettre les Hunger Games. Et elle, c'est le pouvoir. Et elle se sert juste de la rébellion pour arriver à ses fins. Et moi, j'ai adoré ce personnage-là qu'au début, bah, sûrement comme tout le monde, j'ai cru que ce serait une bonne personne, une très bonne personne. Et au final, bah, elle vaut pas mieux que Snow, mais vraiment pas. Et c'est pour ça qu'elle est tuée. Et moi, j'adore ce revirement de situation et ce revirement de personnage. Ouais, carrément. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors après l'actrice, bon, elle a joué dans Jurassic Park 2, si je crois, je me semble m'en souvenir. Mais en dehors de ça, j'ai pas trop aimé sa performance d'actrice. Je le trouve plutôt plate et autre. Mais le personnage, je le trouve intéressant, pareil, dans ce revirement de situation où elle se sert de tout ça. Après, je pense pas qu'elle le fait parce que c'est une vengeance qu'elle fait pour le district au Capitole. Elle croit en district. Je pense pas qu'elle veut le pouvoir. Elle le fait et go. Seulement, elle se dit bah. Puisque le Capitole s'est joué de nous pendant 75 ans, et ben on va se jouer un peu d'eux pour voir qu'ils vont eux aussi souffrir et payer. Mais il y a une noirceur. Ouais. Mais je suis d'accord. Et après, moi, je trouve que la morale de tout ça, c'est qui détient un pouvoir est dangereux. Et donc, du coup, dès que tu as un pouvoir, tu restes très dangereux. Et pour ça, je trouve que c'est pour ça que j'aime bien les Hunger Games, parce que j'aime bien cette philosophie qu'il y a derrière. Et je trouve qu'elle est très intéressante et à développer. Ouais. Joanna Mason. Avance rapide. Très bien. Sina. Avance rapide. Avance rapide. Très bien. BT. Avance rapide. BT, c'est qui ça? Billy. C'est l'électricien, enfin, c'est qui le fait dans le système, ça. C'est lui. Ah ouais, ouais. Donc, avance rapide. Katniss Everdeen. On a pas déjà fait tous nos stops. Avance rapide. Vous avez encore le droit. Hein. Sur Katniss, je peux plus, j'ai fait mon préficus totalus. Donc, avance rapide sur Katniss. Rapide. Stop, du coup, par défaut. Bon, bah, vas-y, je te laisse continuer. Je vais commencer alors. Non, bah, vas-y, je vais commencer. Voilà. Eh bien, commence. Eh bien, Katniss Everdeen, tout simplement, dès le départ. Alors, moi, ce personnage est particulier. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à un moment, t'as de l'affection, à un moment, t'as plus d'affection. À un moment, elle te saoule, à un moment, tu l'aimes bien. Enfin, je trouve que tu passes par beaucoup d'émotions par rapport à elle. Elle est incontrôlable, mais elle est à la fois contrôlée. Et t'essaies de la contrôler dans une moindre mesure. Je trouve que, globalement, voilà, tout ce qu'elle fait, c'est cool, etc. Après, j'aime bien ses côtés où, justement, elle explose. Et c'est ce qui rend un peu les côtés géniaux. Et que Plutarque met en avant, ou Emich met en avant, notamment. Par contre, je trouve qu'on voit pas assez sa souffrance. Je trouve qu'elle le vit pas trop bien, mais presque. Et du coup, moi je trouve que dans les livres ça se voit beaucoup mieux parce que t'es plus dans sa tête. Oui, mais... Ce que je veux dire, c'est que tu la vois souffrir, etc. Mais normalement, elle avait des vraies terreurs nocturnes. Elle peut plus se passer de Pita. En fait, on montre pas assez ses besoins des autres. Elle développe quelque chose pour Pita, pour Gail, pour Prime, qui a quelque chose d'essentiel. Sa petite sœur, c'est sa vie. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est dans les livres, qui n'est pas dans les films. Et je trouve que même à la fin, enfin Primrose, au final, elle se transforme en haine plus qu'en tristesse, mais elle doit être triste, elle doit avoir tout ça. Mmh. Et elle garde ce truc-là, bien qu'elle soit manipulée. Il y a un côté que autant dès le début que je trouve bien, vers la fin, je trouve que c'est toujours trop. Et ça me laisse un peu sur ma faim. Je trouve qu'elle cède pas assez à sa colère, elle cède pas assez à ses émotions, et elle reste trop dans ce truc de j'aime au cœur, alors que justement, elle devrait complètement à un moment aussi être. Péter les plombs, en fait, tout simplement péter les plombs. Moi, je trouve que tu la vois quand même pas mal dans la souffrance. Je vais bien croire que dans le livre, c'est encore plus profond que ça. Mais... Par exemple, moi, je sais qu'avec Finnick, notamment, elle va développer un lien tout particulier. Et c'est pour ça que sa mort à Finnick, il le fait pour que Katniss puisse vivre. C'est qu'en fait, ils vont se voir, notamment souvent dans le district 13, pour se voir, disant Pita, ça va, comment tu fais pour survivre? Et en fait, ils s'entraident l'un et l'autre. Et que. Il y a que, encore une fois, elle se mit de son côté parce que eux deux connaissent cette souffrance et il y a que les champions en fait qui peuvent connaître ces choses-là. Et c'est ça en fait qui est bien, c'est on va développer dans les bouquins un aspect psychologique sur Katniss que tu vois mal à l'écran. Ouais, tu vas moins le voir, c'est sûr, c'est sûr. Moi, ce que j'aime bien avec Katniss sur tout le long, c'est au final, elle garde toujours son côté naturel, allant dans le jeu de personne, vraiment. Et elle reste toujours, on va dire, de son côté, en tout cas, elle fait les choses sans forcément arrière-pensée, etc. Elle y va vraiment au naturel tout le long. Avec son instinct, quoi. Exactement, avec son instinct, elle rentre dans le jeu de personne, et ça jusqu'au bout, et puis c'est tout à son honneur, et puis évidemment, de par ses qualités, et puis du soutien qu'elle a aussi, elle va arriver à mener cette révolution, mais la révolution, c'est même pas son idée, quoi. Donc, mais en tout cas, moi, Katniss, j'adore. Ok, on va passer donc aux questions sur ce film. Bertrand, c'est toi qui poses les questions cette semaine. Ok, très bien. Alors, première question.
Est-ce que ça vous semble normal que personne ne soit rebellé avant? C'est-à-dire qu'il y a eu 75 ans de domination totale du Capitole. Est-ce que pour vous, quand on voit toute la pression et l'oppression qu'exerce le Capitole, ça vous semble normal qu'il y ait eu 75 ans d'attente? Ou est-ce que, à votre avis, dans un monde plus normal, ça serait arrivé avant? Non. Alors déjà, dans un monde normal, comme on va dire que notre monde à nous, ouais. Oui, ça serait, parce qu'on y serait trop, etc., et que ça choquerait tellement que bon, moi je trouve que faut faire un parallèle aussi avec notre monde, et il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde et on bouge pas le petit doigt. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi aujourd'hui. Oui, aussi, ouais. Et le truc, c'est que Snow attise la peur. Snow va attiser toutes ces émotions des gens. Et il le dit, il le voit très bien. On va attiser quoi? C'est l'espoir et de le permettre que les gens puissent s'en sortir, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on fait véhiculer ces choses-là. Aujourd'hui, dans cette histoire, moi je trouve ça logique. Qu'il n'y ait personne qui se soit rebellé, je pense qu'il y a eu des petits mouvements. Et d'ailleurs, le district 13 a été anéanti pour ça, parce qu'eux, ils ont commencé à se rebeller. Et tout de suite, ça a fait boum, direct, il n'y avait pas de suivi. Là, s'ils ont réussi à aller jusqu'au bout, parce que tous les districts se sont soulevés en même temps. Le seul truc, c'est que oui, ça me paraît logique, parce qu'en fait, pendant 75 ans, ils ont instauré la peur, ils ont instauré la douleur, ils ont instauré trop d'émotions fortes, et auxquelles ils disent, ouais, ils sont trop forts pour nous, on ne peut rien faire. Et sinon, bah, t'as les forces de l'ordre, etc. Mais c'est comme aujourd'hui, si on n'était pas d'accord contre une présidence, un choix ou quelque chose comme ça, imagine tout ton peuple se soulever contre ça. Bah, on pourrait gagner, on pourrait faire ces choses-là. Seulement, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur un même ennemi, un même but, une même idée, ce qui est trop compliqué aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, là, parce que t'as un ennemi commun, puisque tout le monde se met contre cet ennemi, alors oui, tu peux le vaincre. Théo ? Moi, je te rejoins ta position, dans le sens où si personne ne s'est rebellé juste avant, c'est parce qu'il n'y a pas eu le moment propice. Dans le sens où il y a eu le moment où Katniss a réussi a réussi à gagner contre les Capitoles, dans le sens où je suppose et je pense pas m'avancer en disant que c'est la seule à avoir gagné avec. Enfin, c'est la seule fois où il y a eu deux gagnants en fait. Ils ont réussi à contrer donc la personne qui était censée contrôler les Hunger Games. Ils ont vaincu 74 ans. C'est ça. Alors c'était le moment. Puis il y a eu les personnages. Il y a eu Emich. Il y a eu. Je sais plus comment il s'appelle, mais le deuxième là. Plutarque qui était là à ce moment-là, qui a réussi à prendre. Qui était en sorte d'espion infiltré quoi dans le Capitole. Ça, ouais. Et c'est en fait toutes ces personnes, tous ces événements qu'on fait que la rébellion a réussi, enfin réussi entre guillemets, qu'ils ont réussi à se soulever parce qu'il y a eu tout ça en même temps et tout à fait que c'était propice à une rébellion. Alors qu'avant, si c'était un personnage qui avait voulu se rebeller, ce ne sera pas réussi parce qu'il était tout seul, il n'a pas réussi à monter à cette personne, ou alors parce que enfin il n'y a pas eu l'événement pour en fait. Et là, que tout se réunisse d'un coup, bah, ça a permis que bah, ça découle bien et que tout le monde suive en fait. Et surtout, ce qui est facile, c'est manipuler une foule, tout simplement. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui, on peut le faire avec des. Ouais, non, mais on sait, ouais, il y a des médias ou autre. Puis, ouais. Tout à fait. C'est que du coup, de par une expression, tu peux lui faire. Enfin, tu dis une phrase, tu dis n'importe quoi, et bien du coup, tu peux lui faire dire tout son sens et son contraire. Et c'est ça le truc, c'est que chacun va de sa petite opinion, puis, puis tu déformes, puis tu vas plus loin, puis tout ça. En fait, tu manipules des foules, les médias. Aussi ça peut être dangereux, en fait dans Hunger Games c'est ça, c'est qui détient un pouvoir en est dangereux. Non, mais Hunger Games ça raconte aussi plein de trucs actuels et en même temps ça, comme tout ce qu'on est en train de dire là, et en même temps ça fait un petit mélange aussi avec des méthodes barbares anciennes, et t'as un vrai compromis des deux qui rend le sujet presque intemporel, enfin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je suis sûr que, peut-être qu'un jour, tu pourrais y arriver. Enfin, il y avait une anecdote, c'est que tu avais une émission anglaise ou américaine, je sais plus, qui mettait justement une personne sur une chaise électrique et en fonction, et des personnes donnaient des bonnes réponses. Plus tu donnais de bonnes réponses, plus tu gagnais de l'argent. Et à un moment, si tu avais tort, tu pouvais donner une décharge électrique sur une personne et gagner de l'argent. Et ils faisaient exprès d'aller voir le plus haut niveau. D'accord. Ouais. Et tu vois, par exemple, j'ai une bêtise, tiens, pour 1 million d'euros, tu perds tout. Frustration ultime, etc. Et tu me vois moi sur une chaise électrique, tu appuies sur ce bouton, tu envoies une décharge électrique à la personne, et donc du coup tu regagnes tes 1 million. Et bah quasiment toutes les personnes l'ont fait. D'accord. C'était des faux, c'était un acteur, etc. Ouais. Mais les personnes l'ont fait. Et aujourd'hui t'es tellement, enfin tu vois, on est tellement dans cette société de consommation, etc. Ce sont mes idées, mais t'arrives tellement dans ça que le problème c'est que les gens ne se rendent plus compte de la douleur, ne se rendent plus compte de la souffrance, et tu ne penses qu'à toi-même. Dans les Hunger Games, c'est ça aussi. Non, mais bien sûr, ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, moi, je suis d'accord, c'est assez actuel comme sujet. Tout à fait. Et après, on pourrait débattre sur. Ça serait génial. Bien sûr. Alors, autre question. Pour vous, qui sont les véritables vainqueurs des Hunger Games? Alors, à savoir, évidemment, c'est Snow qui gagne. Mais pour vous, les véritables vainqueurs des Hunger Games, c'est qui? C'est les vainqueurs ou ceux qui meurent pendant les jeux? Ah, ouais, dans ce sens-là. Alors là, c'est assez philosophique, en gros, vous pensez que les morts sont libérés d'un poids ou que les vainqueurs. Clairement, moi, je pense. Enfin, Théo, si tu veux répondre.
Non, vas-y, vas-y. Et je pense que c'est les vainqueurs au final. Enfin, ils gagnent pas, mais ils vont gagner en paix. Et en fait, c'est ça, c'est que derrière, comme il est dit dans le film, mais maintenant que tu as gagné, ta vie leur appartient. Ouais, c'est chaque ça. Année, tu arrives. Ce train ne s'arrêtera jamais. Et là, tu te rends compte dans quoi tu es. Et Katniss se dit plusieurs fois, mais s'il faut mourir, au final, j'aurais dû me laisser mourir, j'aurais dû laisser gagner quelqu'un, j'aurais dû. Mm-hmm. En fait, c'est fini, c'est trop tard. Ce train est en marche et c'est fini pour toi. Ouais. Et donc, du coup, bah, ils sont tous en train de souffrir. Et donc, du coup, bah, au final, tu te rends compte que plus tu meurs vite et plus ta souffrance va être abrégée. Après, quand tu vois que, enfin, même Katniss, hein, par la suite, même si elle vit et qu'elle arrive à faire tout ça, eh bien, du coup, elle va souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr, ouais. Et c'est que quand tu ne connaîtras plus ça que tu pourras. Et donc, selon toi, ce sont ceux qui meurent, si je suis ton raisonnement, qui gagnent Hunger Games. Bah, ils gagnent dans le sens de paix, vraiment, dans le sens de tranquillité. Ouais, non, mais. Théo. Oui, moi je suis relativement d'accord avec Florentin, dans le sens où dès que ton nom en fait est dit par la personne de ton district qui te nomme, bah, à partir du moment c'est ta vie appartient au Capitole, soit tu meurs, soit tu es au Capitole à tout jamais. Et t'as plus rien, t'as plus, ouais. À moins que t'avais déjà pas grand chose, mais là. Mais même avant. Oui, vas-y. Non, mais même avant en fait. De toute façon, le Capitole maîtrise toutes les vies. Ouais. Il est dit notamment, et on le voit, mais c'est dans les livres, que on le voit dans le 2, il y a une femme en rousse qui bouge pas, qui fait office de, on a l'impression, de femme de chambre, etc. Ouais. Et en fait, ce sont des personnes, dans le Capitole, il y a énormément de personnes comme ça, c'est si tu fuis ton district, tu es rattrapé par le Capitole, donc t'as des Overcraft qui arrivent, qui t'emprisonnent et on te coupe la langue, etc. Il y a notamment un gars, Pollux, je crois. Pollux. Qui lui coupe la langue parce que quand tu essaies de t'enfuir, pour éviter de parler, etc., de voir ce que tu as vécu, et bah boum, on te coupe la langue, on te fait des trucs, etc. Donc en fait, le Capitole maîtrise vraiment tout. Et c'est ça, en fait, c'est une menace qui est perpétuelle sur la communauté. Ouais, bien sûr, c'est une épée de Damoclès. Et donc, bah, ça fait la transition avec la seconde question. Alors là, c'est peut-être dit dans les livres, donc même ceux qui écoutent, hein, si vous avez quelque chose, enfin si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais. Moi, je me suis posé la question, dans un système comme celui de Panem, quel intérêt d'avoir des enfants ? Placez-vous dans les districts, vous vivez votre vie normale. Est-ce que vous vous dites, alors vous n'allez pas vous priver de femme ou quoi, mais est-ce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir des enfants ? Parce que, mine de rien, vous leur imposez quand même une vie de souffrance derrière. Enfin, c'est presque de l'égoïsme. Mmh. Et donc, alors c'est peut-être une obligation de, je ne sais pas, du Capitole que les districts se reproduisent. C'est le cas ? Non, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Donc, du coup, moi, je vous pose la question. Bah, moi, j'ai pas la réponse concrète, mais pour moi, je pense que les gens ont besoin d'avoir de l'espoir, comme disait Snow, et le fait d'avoir un enfant, bah, ça te dit que tu peux vivre tranquille parce que tu feras tout pour protéger ton enfant, et tu te dis qu'au final, plus il y aura d'enfants, moins ton enfant aura de chances d'être choisi. Parce que ton nom, par exemple, admettons s'il y a 50 enfants qui naissent, eh ben il y aura 50 noms. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de chances qu'il soit choisi pour les Hunger Games, tu vois, à son âge. Mais, ouais, c'est quand même égoïste de prendre le risque, quoi qu'il arrive. C'est égoïste, mais après, est-ce qu'on sait si les médias véhiculent quelque chose comme quoi c'est bien d'avoir un enfant ? Est-ce qu'ils ont des avantages à avoir un enfant ? Il n'y a rien qui dit. Non, tout simplement, c'est un schéma. C'est un schéma de vie. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand tu vois, je dis une bêtise, tu vas avoir la difficulté de trouver un travail, la difficulté de t'insérer socialement, toutes ces choses-là, en fait. Ce sont des choses qui sont difficiles, mais c'est pareil. Enfin, tu peux rapidement faire le rapprochement avec notre société. Aujourd'hui, faire un enfant est un schéma classique. Je veux dire, tout petit, on te conditionne à ça. Tu apprendras à faire des enfants, tu apprendras à avoir une femme ou un mari, tu apprendras à vivre en couple, tu devras avoir une maison, un chien et un Renault Espace. Mais le truc, non, mais c'est ça le souci aujourd'hui, c'est qu'il en est là. C'est qu'en fait, c'est un schéma perpétuel et que c'est logique d'avoir des enfants, de fonder une famille et que tu voueras ta vie à tes enfants et que tu transmettras cette chose à tes enfants. Et en fait, bah, c'est même encouragé d'avoir des enfants pour le Capitole parce que ça veut dire que c'est une transmission de savoir et cette transmission de culture. Et cette transmission va faire perdurer, en fait, cette idée de Capitole, de dangereux, de machin. Non, mais pour le Capitole, ça peut être tout à fait bénéfique parce que ça fait encore plus de masse qui va les approvisionner, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te places dans le côté du district 11, 12, et que tu vis sans même parler d'un Hunger Games, je veux dire, tu vis dans une misère terrible avec des pacificateurs qui te fouettent si t'éternues trop fort, enfin. Ouais, mais c'est un schéma, en fait, vraiment. C'est après, est-ce que, on va étendre le sujet en disant est-ce que t'as des moyens de contraception, est-ce que t'as tout ça, mais c'est, on te donne un schéma de vie. Et en fait, c'est simple, tu vas au charbon, très bien, donc on va prendre le district 12, tu vas travailler toute la journée, etc. Tu te sens seul le soir, etc. Boum, tu vis ta vie avec quelqu'un, l'amour va égayer ta vie. Et donc, de cet amour va naître quelque chose, un enfant, et ça va continuer à égayer ta vie, et tu espères juste qu'il va pas pouvoir souffrir et qu'il ne participera pas au Hunger Games. Et en fait, tu produis ça tout le temps. T'es enfermé dans ça, quoi. Exactement. En fait, dès le début, t'es enfermé dans quelque chose, et eux, dans leur tête, c'est, eh bien, comment faire pour être le plus heureux possible dans une boîte.
Non mais globalement. Non non mais je vois l'idée, très bien. Et pour ça on a Patrick Sébastien qui nous fait une super chanson sur Danser les singes. Quoi? Je suis d'accord, du coup ça me fait penser parce que t'as parlé de moyens de contraception, mais au final il n'y a pas beaucoup de technologie dans tous les districts. Et je viens de penser, mais au final la seule chose technologie qu'il y a, donc que tout le monde a au final, c'est une télé. Et tout le monde en fait dans les districts a une télé, et la seule chose en fait qui est diffusée, c'est les émissions du Capitole, c'est César, Flickerman, tout ça. Et en fait ils sont, comme tu disais, conditionnés à regarder. Donc t'arrives chez toi, t'as ton travail, t'es obligé, t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Bah tu manges et tu allumes la télé, et tu regardes et tu te fais vomir. C'est un vrai côté George Orwell 1984, où justement tu vas mettre en place véhiculer cette image de peur tout le temps, constamment, et de te voir toujours une image qui te contrôle. Et c'est ça en fait qui est dangereux. Et c'est ça, alors les gens se forgent leur propre opinion sur ce qu'ils voient, tout simplement, sur ce qu'on leur donne à manger. Et c'est ça où du coup le Capitole gagne, c'est qu'au final ces personnes-là, bah ils sont forcément dans un encore une fois un schéma classique, mais on leur oblige à manger ça, ils sont obligés. Et le pire dans tout ça, c'est que, et là où le Capitole a gagné, c'est que vous devez vivre avec, et les gens disent bah ok, on vit avec. Et ouais, c'est ça en fait où ils gagnent sur tout le monde, mais comme beaucoup de sociétés le font sur leurs citoyens, entre guillemets. Non mais c'est clair. Et pensez-vous alors que les jeux sont nécessaires pour maintenir l'ordre par le Capitole? Est-ce que pour vous les Hunger Games sont totalement nécessaires à la politique du Capitole ou pas? Moi, est-ce qu'ils pourraient s'y prendre autrement? Voilà. Complètement, ils sont complètement nécessaires pour finaliser leur plan. Donc c'est ce qu'on disait avec, enfin c'est ce que disait Snow, c'est que faut inculquer la peur aux gens. Et s'il n'y a pas les Hunger Games, bah au final, bah qu'est-ce qui t'empêche de faire une rébellion? C'est ça aussi. Bah après, c'est il reste les pacificateurs, il reste un service de l'ordre. S'il n'y a pas les Hunger Games, parce que les Hunger Games ont été officialisés parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a eu tout ça, il y a eu un renversement du Capitole, et du coup ils ont décidé d'instaurer les Hunger Games. Mais on a bien vu d'ailleurs que sans les Hunger Games, bah, il y avait rapidement un renversement des personnes qui se rebellaient. Donc s'il n'y a pas les Hunger Games, les personnes se disent bah, au final, qu'est-ce qu'on craint? Non mais encore une fois, voilà, mais c'est ça, c'est la peur. Je suis d'accord avec Théo, c'est qu'on t'instaure une peur perpétuelle pour que tous les ans tu revives ces choses-là, et on te reconditionne sur les années précédentes, etc. Et t'en bouffes tout le temps en fait. La tournée des champions. Des champions, On te refait voir peut-être les meilleurs. Finales dans les séries. Des rediffusions des. Et tout le temps, tout le temps. Et en fait, ils sont obligés de passer par là parce que. Bah, demain il n'y en a plus, on éveille des consciences, les consciences s'émancipent en fait, et du coup par la suite ils vont se développer. Leur amour propre, leur vie propre, leur machin, et du coup un jour tu peux être totalement libre de tout ça et de dire bah on va un moment ce qui se passe c'est peut-être pas tu vas commencer par penser à toi-même, avoir moins peur, parce qu'en fait c'est de l'esclavage au final ce que fait le Capitole, c'est qu'on oblige à donner des ressources mais en contrepartie vous tramez pour nous quoi. C'est ça, comme ils disent, c'est le, et si tu le fais pas dans le tu, non mais c'est ça, c'est les districts qui affluent le sang et puis le Capitole étant le cœur, et exactement, tout à fait ça. Et donc ultime question pour vous, est-ce que Katniss aurait dû être récupérée avant les 75e jeux? Donc je repose le voilà la situation, c'est que Katniss va être récupérée pour être le gémeau au cœur, l'image de cette rébellion, et elle va être récupérée pendant les jeux. C'est quand même un gros risque de la laisser faire les jeux, dans le sens où elle peut être quand même tuée, et on voit qu'elle est quand même pas non plus safe, même s'il y a une protection autour d'elle. Est-ce que pour vous, les protagonistes de cette rébellion à l'extérieur auraient dû émanciper Katniss avant qu'elle commence les 75e jeux? Non, absolument pas non, parce que encore une fois, si tu la mets à la place de tout ça, elle va prendre des initiatives, elle va penser autrement. Le but de la contrôler, c'est de la laisser dans l'ignorance, comme beaucoup de personnes, et du coup, le fait de la laisser dans cette ignorance-là, la permet de tout le temps la contrôler. Le fait qu'elle ait des alliés, le fait qu'elle ait de faux ennemis, etc., et qu'il y ait la moitié des districts, des champions districts qui veulent se mettre de son côté, et bien du coup, si tu la sors avant, ça serait trop cramé, tout simplement. Et donc, du coup, faut qu'elle souffre, faut qu'il y ait tout ça, etc. Pour qu'au moment opportun, comme disait Théo tout à l'heure, il faut qu'il y ait un moment, celui-là, bam, et là, faut pas se louper. Et du coup, il se loupe pas. Mais c'est quand même risqué, parce que imagine qu'elle meurt, ou même qu'elle salisse son image, comme l'espère Snow. Mais encore une fois, en fait, c'est à double tranchant, et c'est pour ça aussi que le District 13 n'est pas forcément bon. C'est que, on va utiliser cette image en martyr. C'est pas grave que Katniss meure ou pas. En fait, on te la met devant, etc. Mais si Katniss meurt, et c'est une martyre, c'est pas grave. Regardez ce qu'on fait. Ils auraient continué à utiliser son image. Oui, totalement. Et t'aurais peut-être encore eu Pita, t'aurais peut-être eu d'autres champions, t'aurais pu sortir. En fait, c'est ça où c'est puissant. C'est que tu penses qu'une personne est essentielle, et en final, non, tout est remplaçable. Il n'y a pas du tout de. Oui, non, mais je vois. Ouais.
Et toi, Théo ? Moi, je suis complètement d'accord avec Florentin. C'est vrai qu'au début, j'ai pas compris la question, mais. Non, parce que t'avais l'air de dire qu'il aurait fallu la récupérer, du moins à ton expression. Enfin... La récupérer, non, mais c'est vrai que Florentin, en expliquant un peu son point de vue, j'ai vite compris, et au final, il est complètement d'accord, c'est que. Bah, Katniss, au final, c'est dans tous les cas, enfin, dès qu'elle a participé au jeu, c'est que bah, la rébellion, elle aura gagné parce qu'ils ont un. Je pense, je sais pas, une bonne. Enfin, une. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais du coup, je vous relance quand même sur une chose. Mettons que Katniss, bah, pétage de plomb ou quoi, un moment, elle veut survivre et elle commence à tuer tribu par tribu, district par district. L'image de la rébellion, elle peut en prendre un coup là, quand même, à ce moment-là. Oui, elle peut en prendre un coup, mais je pense qu'il y a tellement de. Là, t'es quand même sur un fil très, oui, très raide. Qu'est-ce qui t'empêche de dire très raide. Manipulé par le Capitole, etc. En fait, t'as toujours une solution. Après, ça aurait pas été du tout bon pour la rébellion et ça aurait touché pour le Capitole. Mais plusieurs fois, en fait, elle va le faire. Et du coup, même à la fin, elle a la flèche sur Phoenix. Phoenix lui dit souviens-toi qui est ton véritable ennemi. Exact. Et c'est là en fait où elle reprend et en fait elle est encore une fois manipulée par ça. Mmh. Alors dans le bon sens que Phoenix veut quand même vivre, oui. Parce que lui il va dire qu'il est du côté bon, du côté obscur, mais le truc c'est que elle va tomber dans le truc, elle veut le faire et t'as Snow qui est là derrière, vas-y, allez-y, c'est ça, lécher la flèche. Et du coup non, tu vois, elle le fait pas parce que bah il lui rappelle que son ennemi c'est Snow et pas exact. Lui. Tout est fait pour qu'il survive aussi. Oui, aussi. Ok, bah écoutez, c'était toutes mes questions. Très bien. Et bien du coup, nous allons continuer sur qu'auriez-vous fait à sa place. Donc, c'est pas facile à dire. Mais du coup, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place maintenant? Ok. Tout simplement, vous allez revivre des situations qu'ont pu vivre différents personnages, mais principalement Katniss à travers les Hunger Games. Vous me dites si vous auriez fait pareil ou non. Et donc, pour commencer, imaginez que vous êtes donc dans le district 12, votre petit frère ou petite sœur, ou une personne de votre famille, du coup, son nom est tiré. Est-ce que vous vous portez volontaire comme tribu ou vous vous dégonflez et vous priez, lamentablement. Tout à fait, et vous croisez vos doigts pour dire j'espère qu'elle va survivre. Non, alors moi, je veux pas faire le héros, mais moi je pense que je me porte volontaire, mais simplement parce que mais c'est presque égoïste, hein, mais c'est plus facile entre guillemets de mourir que de voir quelqu'un qu'on aime mourir et rien que pour ça et puis t'as la culpabilité du survivant si tu le laisses et je pense que ça te fait pas plaisir, t'as quelque chose au cœur, mais ouais moi je l'aurais fait pour le coup, je pense. Enfin c'est facile de le dire comme ça, mais... Moi je me serais comme toi porté volontaire, je pense que n'importe qui est humain qui a de la famille qui se porte volontaire aimerait donc mourir à sa place. Ouais, et puis c'est presque mais je me dis par exemple, je regarde par rapport à Flo, s'il est désigné comme étant il a son nom qui est pioché, je me dis que il a plus de chances de survivre que toi, donc il va pas. Il a forcément plus de chances de survivre que moi et du coup enfin je veux dire ce serait pas me tirer une balle dans le pied, mais je me dis que s'il y a quelqu'un de nous deux qui peut survivre je te laisse y aller. Je te laisse y aller parce que je sais que tu peux t'en sortir, parce que je sais que tout ça. Et mais par contre, ça aurait été par exemple mon petit frère ou quoi que ce soit présenté. Bon, j'en ai pas, mais ça qui aurait été présenté, et je me serais forcément porté volontaire parce que je me dis, enfin, je sais pas, quand c'est ton nom qui est tiré, tu te dis, enfin, t'es un peu pris au dépourvu. Alors que si tu te désignes comme étant volontaire, tu sais ce que tu vas, enfin tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu as une idée de ce que tu peux faire, non, et t'essaies de réfléchir un peu tout ça, t'es conscient de le faire. Alors moi du coup, pour imaginer une situation, du coup avec Théo, juste pour l'anecdote, j'aurais préféré que tu me dises me mets volontaire et je t'aurais pas laissé faire, mais juste pour que tu me montres de l'amour juste à ce moment-là. Non, c'est pas ça. Mais en dehors de ça, mais tous les jours, moi je me porte volontaire, mais à aucun moment je laisse frère, sœur ou quoi que ce soit partir devant moi. Enfin, je pourrais pas, et je leur dirais, je le fais parce que je veux que vous viviez, restez heureux, et moi je me barre parce que mourir devant mes yeux, tu vois, je me dirais mais attends, j'aurais dû faire un truc. Et je préférais que ce... mais même aujourd'hui je préférais que ce soit moi plutôt qu'eux, parce que du coup j'estime que pas qu'ils méritent plus, mais parce que je préférais donner ma vie que eux donnent la mienne. Nous aurions tous fait comme Katniss. Après faut voir aussi dans l'autre sens, c'est que si je suis porté volontaire et que je me, enfin tu réfléchis, tu fais ouais je peux le faire, et que quelqu'un se porte volontaire à ta place, enfin si t'es choisi et que et tu fais, mais okay, c'est toi. Non mais pourquoi tu le fais, enfin je veux dire j'aurais des remords en disant il s'est choisi à ma place, ça aurait dû, enfin par exemple s'il meurt c'est moi qui aurait dû mourir à sa place, c'est moi qui aurait dû faire ça. Mais justement, après, le meilleur hommage que je puisse faire, c'est vie heureux pour moi. Quoi. Oui, mais c'est. Et j'ai l'impression qu'il a choisi pour la Hunger Games. Demain, il s'en va. Ce que je veux dire, c'est qu'après tout, il faut les. Fin... Bon, allez, c'est décidé, on le fait l'année prochaine. Ouais, okay. C'est parti. Tu dois permettre à ces personnes-là de dire. Enfin, c'est de l'amour, en fait, que tu as un moment important et tu dis, c'est là que je monte. Et vas-y, et c'est du sacrifice. Mais la question, et si c'est justement, c'est pas un membre de la famille, mais un ami? Admettons, imagine genre c'est l'amour, tu imagine c'est ton voisin, genre son mon fils voisin, qui est... non, après c'est... après ça va être honnêtement, je pense que là on va devenir c'est au degré d'amour c'est que tu as pour la personne. Degré d'amour,
Ok, ça marche. Bah, gros, je le laisse partir. les bêtes sur eux. Donc, vous êtes à la fin d'un Hunger Games. Du coup, on vous dit, bah voilà, donc vous êtes face à donc, la personne avec qui vous avez construit le truc, hein, vous avez survécu avec lui, pardon. Et donc, du coup, vous devez, comme Katniss et Peeta, mettre des bêtes sur eux dans votre main. Et quelle est votre action? Vous tuez Peeta, vous essayez de résister avec lui, vous faites la même chose que Katniss. Est-ce qu'on prend le risque de faire la bête sur eux ou Est-ce que vous faites la même chose, ou vous tuez, ou alors vous refusez? Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je pense qu'elle a très bien réagi, hein, essayer d'aller jusqu'au bout à faire croire que lui capitole. Alors après, moi je pense qu'il faut dépasser ça en disant, imagine dans son état d'esprit avant qu'elle le fasse. Et pour elle y va. Donc est-ce que toi tu manges les bêtes sur eux, est-ce que tu tues Peeta, ou sans savoir que ça fonctionne derrière? C'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Oui, ouais, c'est sans ça, savoir, ouais. Ça, mais mmh. Moi je me dis que je mange les bêtes sur eux. Comme Katniss. Je suis un lâche. je sais pas si c'est de la lâcheté, hein, mais non, moi plus que de la lâcheté, en fait, au final, je me dis pourquoi je suis là. Et en fait, encore une fois, tu te dis, bah, il faut battre ce pourquoi tu es. Moi, je pense que je les prends, et par contre, j'oblige la personne aussi à en prendre avec moi pour dire, bah, on meurt, mais on aura deux, comme ça, il n'y a pas de vainqueur. Je me fais et surtout, pas avoir, bah, ouais. Comment on fait, comment ça se passe derrière, comment, et on aura vaincu quelque chose. Donc, au final, ils nous auront laissé vivre, bon, très bien. Mais je pense que je l'aurais fait dans le style, bah, on contrecarre leur plan, et au final, bah, oui, on va mourir, mais il n'y a pas de vainqueur, quoi. Il n'y a pas de vainqueur. Ouais. Après, bon, je sais pas, on sous-estime peut-être aussi ce qu'on appelle l'instinct de survie, mais dans le fond, je pense que on fait tous le même choix. Et moi, je me dis, que je le tente de toute façon. Je sais que je gagnerai pas quoi qu'il arrive contre eux, donc c'est le meilleur moyen d'y aller. Donc, ouais, bon, vous êtes un matin, donc un an plus tard, dans les Hunger Games, et vous êtes dans le district 12. Et Gail, enfin, vous êtes avec Katniss, et Katniss vous dit, donc en dehors de toute image de Jennifer Lawrence, c'est pas vertu. Ah, quoi? ouais. Vous êtes avec Katniss et elle vous dit allez viens, on s'en va, on fuit le district 12. Est-ce que vous partez ou vous restez? J'ai bien envie de fuir avec Jennifer Lawrence. Non, après, sérieusement, donc du coup on se remet dans le même contexte, avec contexte. Et elle dit go. En toute franchise, moi, si j'ai pas d'attache autre qu'elle, ouais, je le fais. Moi, je pars. S'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas, tu vois, si je suis vraiment seul. Comme Gail, quoi. Il a des frères et sœurs, il a des pères et mères. Ouais, dans ce cas-là, dans cette situation-là, non. Franchement, sans attache, ouais, j'y vais. Mais avec, non, j'y vais pas. Théo, tu pars? Moi, je pars, mais avec la famille, je me dis que si j'arrive à survivre tout seul, j'arriverai à potentiellement trouver un gibier de plus pour nourrir les personnes qui sont avec moi. Donc, je les force, entre guillemets. Je leur explique qu'on aura peut-être plus de chances de survivre, ouais. Et dans de meilleures conditions, parce qu'au final. Donc tu pars. Moi je pars, mais avec la famille. Avec mon attache, moi je pars en fait. Pas. Moi je reste là où je suis, et du coup je me dis que de toute façon je sais ce que je peux. Enfin, il y a un système de liberté, mais je pense. T'as peur que... de te faire couper la langue? Oui, déjà. Mais c'est surtout parce que je me dis que je peux y arriver autrement et avoir une autre façon de vivre. Donc je resterai sans problème. Vous êtes donc dans les expiations, hein, vous avez été resélectionné pour la 10e année, et du coup, au moment où vous êtes dans l'arène, vous êtes à la place de Katniss, vous voyez que vos ennemis s'amenuisent, hein, de plus en plus, et il va rester plus que vos alliés. Est-ce que vous cédez à la pression, ou alors vous résistez? Sachant que, encore une fois, vous ne savez pas que derrière, ils sont alliés. Enfin, on va vous tenir le même discours, mais est-ce que vous lâchez ou pas du tout? Moi, honnêtement, je pense que je suis toujours avec la personne de mon district. Ouais. Donc, moi, je pense que je prends la température avec elle. Grossièrement, s'il n'y a plus que le groupe d'alliés, dont l'allié de mon district, je me dis, Katniss, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment on voit les choses? Mais ouais, je pense que je suis pas loin de le faire à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de révolte en cours. Il y a pas de. T'es vraiment dans des jeux plus que normaux. Et moi, je me dis que je vois ce que pense mon allié de district, ouais. Mais ouais, je pense que je me retourne contre mes alliés à un moment, parce que c'est comme ça, et que comme j'ai pas de plan B, je sais pas qui a un plan B, bah ouais. Théo? Moi je me dis, si ça arrivait une fois qu'on arrive à déjouer les plans du Capitole en... Tu sais que Sénéca Crane est mort. Tu sais que du coup, oui. il a perdu, et du coup... Oui, mais encore une fois, si je mange les bêtes sur eau, bah si mes ennemis... Prends les bêtes. Ouais, si mes ennemis... Ça marche une fois, ça marchera. Si mes ennemis me tuent pas, ça veut dire qu'il y a une raison, et pourquoi pas, genre, au bout d'un ou deux jours, si personne s'entretue, bah pourquoi ils expliqueraient pas, qu'on est dans ça, et il faut pas mourir, tu vois. Ah, mais du coup, je pense qu'ils feront en sorte de mettre tout en place pour qu'il y ait des morts et qu'il n'en reste plus qu'un. Oui, forcément, mais après, s'il y en a un qui est dans la rébellion et qui est sur le point de mourir, c'est dans le barreau d'honneur en disant « La rébellion !» et puis il meurt, et là, tu prends conscience d'eux. Bah, moi, je pense que je me fie uniquement à mon deuxième, mon district,
Et que, alors par contre, j'aurais pas, je sais pas si j'aurais confiance totale en lui, mais s'il me dit on reste et je pourrais rester, mais si je décèle ne serait-ce qu'un temps soit peu de fourberie, ouais, tu veux ouais, dire de fourberie, bah, je m'en vais. Si, bah, mais après, on le ressent un peu dedans, hein, ils mettent des plans, on sent qu'ils ont des longueurs d'avance sur Katniss ouais, ou autre, ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi je pense que je pourrais partir, vraiment. Et trahir mes amis. Ouais. Vous voyez tous cette scène, justement, donc, dans le 2, je crois, la fin du 2, ou le 3, je sais plus. Où justement, il y a la destruction du barrage, donc au niveau du district 5, où vous ouais, voyez justement. C'est dans le 3 partir. Dans le 3, tout à fait, où il y a cette magnifique chanson. Tout à fait. Et du coup, avec la même chanson dans votre Walkman, du coup, vous partez et il y a une destruction du barrage qui est faite. Est-ce que vous allez détruire le barrage au péril de votre vie? Ou alors vous restez bien au chaud chez vous. Ah, je me dis que de toute façon, pour qu'il y ait un renversement, il faut des morts de côté. Donc moi, je me rends martyr. Non, moi je pense que franchement, si tout le monde y va, bah j'y vais aussi parce que je veux pas encore avoir. Tu vas mais au fond du peloton. Ouais, c'est ça, le peloton. Plus lent ouais, que les autres. Ouais, c'est ça, quoi. Les gars, les plus vite. J'ai pas précisé où j'étais, ouais. Non, mais en tout cas, je veux pas avoir cette culpabilité du survivant et voir tous mes proches mourir pour une cause que je partage et que j'assumerai pas. Donc oui, oui. Bah, moi, je pense que ça dépendrait de l'état d'esprit où je suis maintenant. Enfin, j'aurais été. Je pense que là, comme ça, je suis tranquille. Donc, je pourrais très bien dire oui pour le côté héroïque. Mais dire, on ne sait pas dans quelle situation tu peux être. Non, mais bien sûr. J'arriverai pas on n'est pas dans la même condition. Ça, mais... je ne sais pas moi-même ce que je ferais. Du coup, vous êtes donc maintenant dans le 3 partie 2. Et vous allez et Katniss s'en va au Capitole et va faire la Dream Team, la Star Les Squad. Squad Star, ouais. Voilà. Est-ce que vous partez avec elle au Capitole ou vous restez dans le district 13 comme on vous l'a gentiment demandé? Eh bien, ah oui, d'accord. Est-ce que je me porte volontaire ouais, volontaire pour aller détruire Snow ou pas du tout? C'est chaud. Sincèrement, alors là, bah moi, si on me dit d'aller dans les Squad Stars, j'y vais parce que c'est mon devoir. Mais si j'ai pas besoin d'y aller, je me dis, je dis pas que c'est la bonne excuse ou quoi, mais presque. Si mon rôle n'est pas d'être là, je vois pas pourquoi j'y irais plus que ça. Je me dis qu'il y a des gens qualifiés qui donc, y vont. Bertrand, t'y vas pas. Ouais, moi, ça. J'y vais pas. Théo. Moi, je pense que ce serait vraiment de gêner les gens parce que t'as pas vraiment d'expérience sur le terrain ou quoi que ouais, ce soit. Tu veux vivre quoi. Et que non, mais au-delà de vivre, c'est des. Enfin, ils y vont, mais ils savent ce qu'ils vont faire. L'autre avec sa balise pour savoir où sont les pièges, il est déjà au courant. Mugs, je crois. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens expérimentés là-dedans et qu'ils savent ce qu'ils vont faire. C'est vrai que si on me demande pas, j'y vais pas. Non, ça sert à rien. Moi non plus, j'y vais pas. Clairement, je laisse Katniss y aller. Et je me dis que c'est son rôle de Gémoker et bah voilà. Ouais, je me moquerai de loin. Et donc du coup, dernière situation, vous êtes le Gémoker grossièrement. Mmh. Eh bien, la personne pour laquelle vous étiez porté volontaire vient de décéder dans un attentat, et vous avez la flèche. Donc vous êtes face au président Snow et à la présidente Coin, et du coup, vous devez viser l'un des deux sur qui vous tirez, comme Katniss ou le président Snow. Ah ouais. On n'a qu'une seule flèche. Parce que moi, je reprends quand elle faisait ses entraînements, elle a réussi à tuer deux cibles d'un coup. Ouais, alors je là, me dis, qu'il fasse un ricochet. Mais non, mais je me dis genre, elle a qu'une seule flèche, j'en garde quoi, c'est ça. Non, mais t'as que la flèche. J'ai pas le temps flèche, de choisir qu'une personne. Bah écoute, si comme je sais à partir de ce moment-là, enfin, je te regarde. Je crois, hein. Je te regarde. Celui qui est à côté. Dans le casque du pacificateur. Tiens, toi. J'ai toujours rêvé de faire ça. T'avais pas qu'à rien. Non, mais. À partir du moment, en fait, je me fie à ce que je crois. Et en gros, clairement, je vise la personne que je crois responsable de la mort de ma sœur, du coup. Et si j'ai la conviction à ce moment-là que c'est la présidente Coin, bah ouais, j'y vais sur Coin. Manipulé par Snow, du coup. Manipulé par Snow, ouais, parce que Snow, je le crois, donc, à ce moment-là. Ouais. Et donc, ouais, je le fais. Après, évidemment, là, j'agis vraiment par rapport à moi et puis à ce qui s'est passé pour moi. Et si c'est elle qui est responsable de la mort de ma sœur, bah let's go quoi. J'envoie la flèche sur elle. Ouais. Théo, elle a fait le bon choix. Ouais. Et puis je pense que Katniss se doute que le peuple va se charger de Snow. Ouais. Moi je suis d'accord. Moi j'aurais fait la même chose aussi parce que au final, Coin, elle est détestable hein, même dans les livres. Oui. À un moment donné, tu l'aimes plus du tout. Et du coup, tu vois qu'elle trame un autre jeu par rapport à ça, donc un double jeu du moins. Donc au moins t'arrives à le ressentir, ou Katniss le ressent un peu. Ouais. Donc et puis manipulé par Snow. Donc non, je pense qu'elle fait le bon choix et j'aurais fait le même. Ok. Et bien voilà pour la chronique. Si t'étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Et donc du coup nous allons pouvoir enchaîner cette semaine sur le quiz. Donc Quizman Bertrand est là à la baguette. C'est parti maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games. Thank you.
cette semaine, je vous remets en situation. Alors, vous avez accompli des faits héroïques. Vous avez vaincu Voldemort, vous avez abattu l'étoile noire. Oui, et on a surtout repris la Terre du Milieu avec deux orques. Vous avez sauvé la Terre du Milieu en détruisant l'anneau, mais vous l'avez repris avec des orques derrière. Vous avez fait énormément de choses, messieurs. Et Jean, parce que vous avez tué Voldemort, je l'ai dit ? Oui. Eh bien, tout ça pour en arriver à disputer la 76e édition des Hunger Games, messieurs. Car la révolution a échoué et le Capitole est plus furieux que jamais. Vous êtes placé dans le district 13 et vous allez être mis en concurrence dans une arène contre 12 autres districts. Vous êtes les deux tribus du district 13 et donc les questions vont servir à tuer les tribus des autres districts. Une bonne réponse égale un district en moins. Par contre, si vous répondez mal, vous avez une blessure. Si vous avez que vous répartissez entre vous, d'accord, donc vous êtes vraiment tu vas prendre les deux des et donc 3 blessures, vous mourrez. 3 blessures, bien. Ok, c'est clair pour vous? Ouais. C'est clair. Que la 76e édition d'Hunger Games commence. Puisse le sort vous être favorable. Tout à fait. Donc il y a 4 paliers de questions. Le premier palier correspond au premier film. Le deuxième palier film. Au deuxième film. Vous avez compris l'idée? Yeah. C'est parti. Messieurs, quelle est la tranche d'âge requise pour participer aux Hunger Games? Il y a une tranche d'âge bien définie pour participer. Pour moi c'est 12-18. Ouais, je veux dire 12-18, j'aurais dit ça. C'est parfait. Quel district éliminez-vous? District 1. Ouais. District 1, très bien, je barre le district de ma feuille. Bravo, franchement je pensais que vous ne l'auriez pas. Ouais, plein de surprises. Eh bien, celui-là ne devrait pas vous poser de questions. De quel district proviennent Katniss et Peeta? Attends, je sais, dis pas. C'est entre le 1 et le 12, je suis pas sûr. Ouais, mais il y a le 13 qui vient à la fin. Le 12. Le 12, tout à fait. Quel district décidez-vous d'éliminer? Le 2. Le 2, très bien. Là, il y a une vraie tactique qui a été mise en place. Déjà, ouais, t'es pas trop mal. L'un est dans moi. Ouais, c'est pas... Ah, c'est vrai qu'ils sont assez costauds. Quel score reçoit Katniss après l'évaluation? Vous savez, elle fait une évaluation et il y a une note qui est donnée à... 11. C'est votre réponse? C'est sur 12. Kato, il a 9. Non, Kato, c'est 4. Kato, il a 9, Peeta, il a 7 et Katniss, elle a 11. Bien joué. Bien joué, le score de 11. Celui-là, c'est je pense que c'est vraiment pas cool. Très bien. Quel district éliminez-vous? Laissez-moi deviner. Le 3? Et non, le 4. Boum. Le 4. Ouais, allez, le 4. Ils vont tous y passer. Comment se nomme le dernier tribu à mourir? Bah, Kato. Ah oui, non, Kato. Ah, oui. Parce que les deux autres meurent pas. Les deux autres tribus. C'est le dernier district. Le dernier tribu à mourir. Kato. C'est Kato, puisque oui, il parle les chiens, et puis elle lui tire une flèche, et puis les deux meurent pas. Kato. Ah bah, c'est le nom du mec qui meurt en dernier, ouais, c'est Kato. Kato. Eh bien, c'est Kato. Le fils de Ragnar Lothbrok. Oui, Alexander Ludwig, l'acteur, je crois. Et d'ailleurs, j'adore ce qu'il dit quand il dit je viens de comprendre que c'était écrit comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis même lui se rend compte que tout est écrit, il comprend le système à la fin, et c'est beau. Quel district éliminez-vous? Le 4. On l'a déjà fait. Ah bon? Le 4 est éliminé, ouais. Le 7. Le 7, très bien, district 7 est par terre. Et donc là, il y a une cinquième question que je ne vous ai pas parlé avant, qui est une question sponsor. C'est-à-dire que si vous répondez bien, vous aurez le choix entre deux possibilités. C'est possible. D'accord. Combien de fois est inscrit le nom de Gale au tirage au sort des Hunger Games? Attends, il est inscrit combien de fois ton nom? 53 fois, je suis un truc comme ça. 56. Non, c'est 50. C'est 95. Ah ouais, j'avoue. 95? Ouais, je crois. Non, 95 fois. Non, c'est trop long. 93. Non, c'est pas 90. C'est pas constant. C'est pas très favorable. Non, c'est. Non, mais non, 50 je crois fois. Que c'est... Non, non, c'est 50. plus que ça. Je te dis, pour moi, c'est un truc genre 93. Je sais pas. Bah, je te laisse prendre ta blessure. Allez, tenter quelque chose, messieurs. 93. 93, et eh bien c'est 42. Ah, ce qui est déjà, c'est pareil. Ce qui est déjà pas mal, mine de rien. Ok, donc résumé de cette première journée. Les sponsors dans la peau. Résumé de cette première journée, vous avez éliminé le district 1, le district 2, le district 4 et le district 7. Tu me fais les coups de canon, c'est plus vite. Bien sûr, je fais les coups de canon. Sixième question. Comment s'appelle le nouveau haut juge des jeux? C'est Plutarque. Plutarque Evansby. Je vous laisse éliminer un district. Le 11. Le district 11 Le district 11 est tombé. Fennec détient un record au Hunger Games. Lequel? Le plus jeune à avoir gagné les Hunger Games. 14 ans, je crois. C'est parfait. 14 ans. Très bien, vous faites un sans faute pour l'instant, je crois. Hein. Non, ah non, vous n'avez pas eu la question sponsor. Mais on a fait exprès de perdre. C'est stratégique, comme ça on est victime. Et donc, vous éliminez le district 6. Ouais, district 6, très bien. Lors de la démonstration individuelle, Katniss hisse un pendu. D'accord, vous avez la scène un peu en tête? Ouais. Okay.
Qu'a-t-elle écrit dessus? Seneca Crane. Ils connaissent le film par cœur. C'est bien Seneca Crane qui est inscrit dessus. Ouais. Ah, mais quand on regarde les films avant, c'est plus facile. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Et donc, je vous écoute. Qui tuez-vous comme ça impunément depuis tout à l'heure en rigolant entre... Le 12. Ouais, le 12, j'allais dire. Ah, vous tuez le 12 tout de suite? Ok, très bien. Le district 12 est éliminé. Que représente le lieu central de l'arène? Donc, dans les jeux de l'expiation. Une horloge. C'est bien une horloge. C'est bien une horloge, voilà, tout à fait. Tic-tac, tic-tac. Et vous éliminez le district 10. 10, on n'avait pas fait le 10. Non, vous ne l'avez pas fait le 10. Bah, 10. Très bien. Et donc, après deux jours sont tombés les districts 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12. C'est-à-dire qu'il reste le 3, le 5, le 8, le 9 et le 13. Oh. On passe plus. Ah mais ça c'est forcément la fin, on va dire ça. Dans quel district sont basés les rebelles? District 13. Dans quel district sont basés les rebelles? Oui, le 13. District 13, vous venez de là. C'est chez nous? Bien sûr, c'est chez vous. Ici c'est le district c'est 13. C'est la MIF. Et vous éliminez? Bah le 13. Le 3, le 3. Tu tues Théo? Non, non, pas tout de suite. Non. Ok, très bien. Je... Ça mais non, mais je vois une rébellion dans le district 13 là. Quelles sont les deux conditions demandées par Katniss pour devenir le Gémeaux-Cœur? Donc, vous savez, le président de Coin. Sauver Pita et que. Tu le sais ou pas? Non. Et que Primrose garde son chat. Effectivement, donc je l'accorde, c'est sauver tous les vainqueurs. Ouais, les vainqueurs. Et la sauvegarde du chat. Il y en a que, ouais, trois, mais Annie, Johanna et Pita. Et donc, vous éliminez le district 5. Ouais, 5. 5, très bien. Il reste le 8 et le 9. Combien y a-t-il de survivants du district 12 après qu'il ait été détruit? Oh. Alors là... Bah à mon avis, je pense que c'est les personnages qu'on connaît. Donc t'as Pita, t'as... Non, alors attends, je me permets de te couper. Il y a plus c'est... que ça. Ouais, ouais, il y a vraiment... Il y a un nombre de personnes survivantes qui sont ramenées au district 13 d'ailleurs. Et il y en a, c'est pas, ils sont pas trop aux 4. Il y en a plus. Pour moi, c'est une centaine. Faut dire un chiffre précis de toute façon. Ouais. Tout à fait. 100. Non, ouais, vas-y, je te laisse dire parce que j'en ai aucune idée. Ouais, moi, je sais ce qui a sorti en premier. 100. 100 ? Oui. C'était 915 sur 10 000. Merde. L'un de vous deux prend une blessure. Vas-y, je la prends. Tu la prends ? Ouais, je la prends. Oh, ça, c'est un héros. Ouais. Théo, une blessure. Encore deux et tu es mort. Les bêtes sur eau. Dans son discours, le président Snow ne veut pas appeler les rebelles par ce nom. Quel nom utilise-t-il ? Et il fait tout un foin pour ne pas utiliser le mot rebelle. Il utilise un autre mot. Des terroristes. Des terroristes ? Ouais. Non, c'est pas des terroristes. C'est non. Des... Oh, merde. Des merdes, donc. Ouais, c'est des merdes. Ouais. Oh, je crois que c'est des terroristes. Hein. Je sais pas, moi j'aurais dit ça. Ouais, vas-y, bah vas-y. Moi, pour moi, j'ai un autre mot, mais il me vient pas. Bah, je prends la blessure. Terroriste ? C'était radicaux. C'est ça, ouais. Bah, je prends la blessure. Ah, et tu voilà, prends la blessure. Mon bras gauche. Tous les deux en train de ramper, là. Arrive la question sponsor. Oh, ah, c'est le moment. C'est une citation. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Qui dit ça? Snow. C'est le seul qui pourrait potentiellement dire ça. Ouais, il y a Plutarque aussi. Plutarque, pour moi c'est Plutarque. Je te le dis. Plutarque. Plutarque. C'était Snow. Ah, ah. La deuxième. Après cette troisième journée d'excitant Hunger Games, pardon, le district 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 sont tombés. Il reste le 8 et le 9. Oh. Il reste le 8 et le 9. Ah non, c'est une question de compte sort, t'as pas de blessure. Ah oui. Non, non, il n'y a pas de blessure. Oh. Vous auriez pu en soigner une, mais... Non. Il vous reste le 8 et le 9 à 10. Dans quel district se rendent les rebelles afin de prendre le contrôle des armes? District 2. District 2 hmm. C'est une excellente réponse. Vas-y. Quel district éliminez-vous, le 8 ou le 9? Le 8. Le 8. Regardez-moi ces tueurs. De naissance. 5. Un seul cul. Tueur à gage. Comment se nomme l'escouade dans laquelle Katniss se trouve? C'est l'escouade Star, mais son matricule, quel est-il? Oh non, mais ça, les matricules, personne ne se souvient. Matricule. Il est dit plusieurs fois. C'est l'escouade Star, mais son matricule, c'est l'escouade. C'était une réponse, vas-y. Alors, j'en ai aucune idée. 712. Ouais, 712. Ah, c'est pas mal, mais c'est plus un coffre à Gringotts, ça, non? Non, c'est l'escouade 451. Katniss, ok, bah, je vais prendre la blessure. Et donc, tu es blessé par le district 9. Oh non. Flo, attention, il ne te reste plus qu'une vie. Okay. Pendant que Théo en a encore deux. Et ouais, moi, je me balade. T'es chanceux, toi. Je suis un gigolo. Quoi? Pion.
Hein. Quel champion le président Coin voulait-elle faire sortir de l'arène? Quel quoi? Ah, Pita, c'est bon, tranquille. Pita. Le district 9 est tombé. Ouh. Messieurs, vous êtes les vainqueurs des 67. Avec attendez. Une... Non, le voilà. Capitole est impitoyable. Voilà, il ne sûr. Peut pas y avoir deux vainqueurs. Vas-y, je te laisse vivre. J'ai vécu lors de l'étoile de la mort. Attends la question. Messieurs, c'est de la rapidité maintenant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, okay. Ouais, non, mais, bah, on répond pas. Non, on répond pas, on boycotte. Faites pas le coup des beurs, on l'a déjà vu. Bon, c'est ça 2012. Et franchement. Non, mais je te laisserai gagner. Flo, tu as deux blessures. Mais non, je pourrais pas. Comment? On peut pas faire un truc. Vous ne pouvez pas. Messieurs, c'est impitoyable. À la réunion pour décider si de nouveaux Hunger Games doivent avoir lieu. Que vote Pita? Oui ou non? Non, on boycotte. Ouais, on boycotte carrément. Alors, on vous exécutera, tant pis, on en a et rien ben à faire. Eh ben, je mourrai en martyr. Non. Ah, je l'ai dit. Et tu as bon. Est-ce regardez-le. Mais non, restez une blessure chacun. Ce qui est magnifique, c'est que vous avez deux blessures chacun. La troisième sera fatale, il ne reste qu'une dernière. Au pire, on répond en même temps, comme ça, il pourra pas choisir. Vas-y, on fait ça. Il ne reste qu'une dernière question. Combien d'enfants ont Katniss et Pita? 3. À 3 ou à 0? Ah, t'as dit 3, c'est pas bon! Attention, on fait 3, 2, 1 et on le dit, d'accord? Top, okay. 3, 2, 1, 2. Je suis franchement ému de cette réponse incroyable. Tu fais comment maintenant, hein? Eh bien, bravo, j'espère qu'aucune révolution n'aura lieu, mais vous survivez à ces Hunger Games avec deux blessures chacun. Vous êtes quand même mal en point, en fait, pour trouver le chien. Ouais, mais on détruit le Capitole. Ouais, on s'en fout. Eh bien, voilà, en tout cas, vous êtes très bien débrouillé, bravo à vous. Et puis, merci, vous avez beaucoup de morts sur la conscience aussi, je tiens à le dire. Oui, mais c'est pas grave. Ça arrive. On fera juste des heures nocturnes. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce soir, pour l'entre des maraudeurs. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu, donc ce spécial Hunger Games. Eh bien, voilà, du coup, si vous avez des choses dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez réagir sur le MVP de Bertrand, si vous voulez réagir sur la philosophie de Théo à travers les Hunger Games, ou si vous aussi vous soutenez la cause de Florence, hein. ou du président Snow. Et bien du coup, n'hésitez pas du coup à lâcher des commentaires sur YouTube. Nous rappelons que le site internet est toujours en cours de construction. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, voilà. Twitter, Facebook. Et je pense qu'on peut le dire, nous allons organiser une soirée Harry Potter. Donc à Rouen, alors Bertrand est le spécialiste de tout ça, donc vas-y. Tout à fait, donc ce sera au Cozy Lunch à Rouen, donc où un menu typiquement anglais sera servi, donc ça va être une soirée déguisée. Ça va être donc deux fois 30 personnes, deux services de 30 personnes je crois. Donc ça sera tout ça autour du thème du tournoi des trois sorciers. Donc venez pour représenter soit Beauxbatons, soit Darmstrong, soit Poudlard. Vous pourrez être tiré au sort pour être le champion de votre école. Et voilà, défendre vos couleurs, tout ça. Il y aura autour d'un groupe. Des lots à gagner, une bonne bouffe, des rires, de la joie, ambiance. Voilà. Et surtout, vous nous verrez en vrai, c'est quand même la classe. Exactement, et vous pourrez participer avec nous. Et voilà, et on vous prépare même d'autres surprises, mais ça, on attend la confirmation, mais on vous le dira un peu plus tard. Et quelque chose qui pourrait égayer vos vies. Non, je sais pas, mais. Non, mais qui se passerait en Terre du Milieu, c'est voilà. Ce qu'on m'a dit. Mais on peut pas en dire plus, mais voilà, c'est un des rêves de l'entre des maraudeurs, donc on y arrive petit à petit. Donc bah tout ça c'est aussi grâce à vous parce que bah mine de rien bien que vos vues et des soutiens des personnes qu'on peut rencontrer, eh bien ça nous motive aussi à continuer dans ce sens-là. Donc un grand merci, il faut le dire. Et puis un grand merci, c'est aussi un grand merci à Bertrand pour toute l'implication sur ses quiz, sur les chroniques, etc. Avec plaisir. Sur Théo, sur toutes les archives du Gondor, qui sont en vacances en ce moment, ils vont revenir de plus belle dans quelques temps. Mais c'est surtout pour les montages vidéo, les montages son, enfin voilà, tout ça c'est. Mais derrière, c'est du travail, et du coup, moi je vous remercie aussi. Vous merci messieurs, à toi surtout. Tous les trois, oui, voilà. On a envie de pleurer. Et donc, on vous abandonne là-dessus pour mieux revenir la semaine prochaine. Et bien, vous souhaite une bonne semaine, un joyeux Hunger Game, et plus le sort vous êtes favorable. J'ai fait une liste dans ma tête de tous les actes de bonté auxquels j'ai pu assister. Chaque petit détail dont je puisse me rappeler. C'est comme un jeu auquel je joue sans cesse. C'est quelque peu lassant au bout de toutes ces années, mais il y a bien pire comme jeu si tu savais.